encore, dis-moi, non? Tu sais ce que je vis en route quand j'allais à la rivière? Vas-y, dis-moi. Ce village est devenu autre chose. Je te dis que c'est terrible. Ça devient très... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai senti comme de l'électricité sur tout mon corps. On dirait qu'il y avait un esprit qui vient de passer. Un esprit est passé? Je dois m'en aller.
Je l'ai raté. Ah! Cette Olakot m'a échappé. Hmm? À cause de cette distraction. Qui est cette demoiselle qui courait? Amaisé, Amaisé, sois prête pour les pires.
Salut, le grand chasseur de notre terre. Salut, Olilania. Comment tu vas? Ça va. Et toi? Je vois. Je vais bien. Ça, c'est inhabituel pour toi. Je veux dire, tu n'as pas tué un animal aujourd'hui. Oh bien, c'est dû à une distraction rencontrée. Sinon, j'aurais vraiment tué un grand Tolakote. Mais ça va. Ça va. Demain, je chasserai encore. Comment va ta sœur, Waneka? Waneka va Je crois qu'elle va bien. Elle va bien, oui, elle se porte bien. Comment va ta mère? Oui, ma mère va à merveille. Ok, très Elle m'a envoyé. Je dois me dépêcher. Oh, bonne journée. Très bien. Wando. Wando, mais qu'est-ce qui t'a retenu? Hein? Tu avais demandé de t'attendre pendant que tu te soulageais dans la brousse. Je suis désolée, Nne. Hein? Je suis là maintenant. Pouvons-nous partir? Je t'en prie, non? Dis-moi, dis-nous. Olilaya, ça va? Oh bien, Luchu. Es-tu stupide, hein? Comment oses-tu lui parler? Wando, les conflits entre toi et Olilaya commencent à prendre une autre ampleur. Prends le temps de me regarder. Suis-je comme quelqu'un qui a le temps pour quelqu'un qui est de ton genre? Sérieusement, Wando, je n'en peux plus de vos querelles. Hein? Je suis fatiguée. Elle veut blaguer avec moi. Elle veut m'importuner. Si elle ose encore le faire, je vais la frapper comme un petit enfant. Qu'est-ce que tu as dit? Tu vas me frapper? Moi, Olilaya, détrompe-toi. Détrompe-toi, je te dis. Attends un peu. Oh, tu n'as pas le cas. Regarde la bonne idée. Wando, ne m'épouse pas. Pas aujourd'hui. Olilaya, approche-toi et parle-moi. Pourquoi ça te fuit? Mais arrête, reviens Wando. Ici. Viens me parler. Ouh, tu es une lâche. Tu veux m'affronter, hein? Et toi, bien le jour. N'ose plus jamais m'interrompre lorsque je parle à cette fille. N'ose plus jamais m'interrompre parce que tu ne connais pas ce problème. As-tu entendu? Wando, attends-moi. Wando! Grand frère, t'as pas l'air joyeux. N'as-tu pas attrapé un animal aujourd'hui? Waneka, ma soeur. J'étais sur le point de tuer un grand Tolakote. Jusqu'à ce que je sois distrait par une jeune fille. Elle courait tellement dans la brousse qu'elle a distrait mon attention. Une jeune fille. J'étais sur le point. Juste deux secondes. Quelques secondes. Je l'aurais tuée. Et le Tolakote a disparu. C'est bon, grand frère.
T'inquiète, ok? Demain, ce sera un autre jour. Oh oui. Anonata. Et Chibunta. Oui. Prends cette arme et cache-la derrière. On est revenu avec le panier vide. Hein? Hein? Tu as oublié ça au marché. Le grand chasseur de notre royaume. Maman. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu cours comme ça en te poursuivant? Non, tu as oublié ça au marché. Hein? Voyez-moi ça. Comment est-ce possible? Hey! Qu'as-tu fait, Lilaire? Maman, désolée. J'ai cru que je l'avais apporté. Tu as cru? Maman, s'il te plaît. Vas-y doucement avec elle. Parfois, les gens oublient. Hey, merci beaucoup, mon fils. Je t'en prie. Que le Dieu de notre terre te bénisse. Qu'est-ce que j'allais devenir? Hein? C'est l'argent de tout ce que j'ai vendu aujourd'hui. Hein? Et j'avais déjà tout perdu. Qu'est-ce que tu attends? J'ai envie de le remercier. Merci. Oh, je t'en prie. Maman, je dois m'en aller maintenant. Attends, un instant. Je tenais à te montrer ma gratitude pour ce que tu as fait aujourd'hui. Alors pourquoi tu ne viendrais pas demain chez moi à la maison? Je vais faire un plat spécial. Viens manger avec nous à la maison. C'est juste maman... pour te remercier et rien d'autre, mon fils. Généralement, je ne le fais pas, mais comme ça vient de toi, je viendrai. Merci. Merci, c'est bien. Encore une fois, merci beaucoup. Merci, maman. Que le Dieu de notre terre continue de te bénir pour ta bonté. Il sait. Et qu'il vous bénisse aussi. Il sait. Au revoir, maman. D'accord. On y va. Arrête de me fixer comme désolée, ça. Désolée, maman. Tu es désolée, c'est ça? Waneka! Waneka! Grand frère! Qu'est-ce que tu fais? Je prépare. Oh, tu prépares? Je vois. Et qu'est-ce que tu prépares? Je fais une soupe. Hey! C'est comme si tu as deviné ce que mon estomac veut maintenant. Grand frère, je pense que tu as vendu ces gibiers à un bon prix, hein? Ne fais-tu plus confiance à ton frère? Bien sûr que oui. Waneka, j'ai vendu ce gibier à un prix très élevé. C'est vrai, je te fais confiance. Oui, oui. Alors, va continuer de préparer. Comme ça, moi, je vais me trouver du vin de palme. Okay. Car je vais l'utiliser pour faire descendre la nourriture. Toi, avec le vin de palme. Ok, va préparer. J'arrive. Ne rentre pas tard. Hein. La nourriture sera bientôt prête. Nous irons manger chez Ugoja demain. Pourquoi? Ça sera l'occasion de quoi? Non, elle m'a juste invité chez elle pour venir manger parce que... elle veut me remercier pour lui avoir retourné le sac d'argent qu'elle avait oublié au marché. Tu vas partir? Veux-tu que j'y parte? Oui. Cette femme est très gentille et sa fille aussi. Oh oui, Olilania est une bonne fille, c'est vrai. Tu l'aimes? Oui. Grand frère, je crois qu'il est temps pour toi de commencer déjà à penser au mariage. Non. Si je me marie maintenant, mon attention sera divisée. Et qui prendra soin de toi? Ah, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça.
Les dieux prendront les choses en charge. D'ailleurs, tu sais que nous sommes les seuls enfants de nos pauvres parents. Je finirai par me marier un jour. Et toi, tu as besoin d'une compagnie. Tu vois, j'ai aussi pensé à ça. Mes yeux sont braqués sur Wando. Wando Dilania. Quel Wando? Wando, non? Wando, la fille du défunt Mazo Kafu. Mba Kwao, Mba. Je n'aime pas cette fille. Non, elle te rendra malade. Oh, Wane, ne t'inquiète pas. Personne ne me donnera de la fièvre. Personne ne va me donner de la fièvre. Tel que je l'ai dit, nous allons manger chez Ugodia demain. Ok, très bien. D'accord. Apporte-moi de l'eau avant que je ne finisse. Apporte-moi de l'eau. J'arrive. Maman, cette nourriture, très délicieuse. C'est vrai ça. Ça m'a rappelé la nourriture que notre pauvre mère nous préparait. C'est bon, mon fils. Paix son âme. La nourriture qu'elle venait de manger, c'est Olila qui l'a préparée. Vraiment? Bien sûr. C'est une vraie cordon bleu. Elle prépare très bien. Assez. Oui, c'est moi qui l'ai préparée. Fleur, c'est une jeune fille comme toi qui a préparé la nourriture qu'on a mangée, que tu as mangée. Né, tu sais que je n'arrive pas à... Écoute, laisse-moi te dire. Tu n'as pas encore goûté à notre nourriture. Si jamais tu goûtais à notre eau quoi, je suis sûre que tu vas parler en langue. Né, ce sont les pas favoris, oh. Il aime bien ou quoi? Il aime ça beaucoup. Moi, il l'a pas. Ezekou. Oui, bien sûr que je sais faire ça. Je le fais très bien. Bam, les marchés sont conclus. Et toi aussi, arrête de me vendre comme ça. Arrête. Oh, maman, s'il te plaît. Arrête, tu as assez parlé comme ça. Écoutez, vous me rappelez vos parents. Ah, il me manque beaucoup. Maman, t'as un grand cœur. Honnêtement, tu as vraiment un grand cœur. Mon mari avait souvent l'habitude de dire ceci. Une personne qui a un grand cœur, cela se reflète sur son visage. Hey! Ok, bien des gens partagent cet avis. C'est de la sagesse. Au moins, j'ai appris ça. Prochainement, je vais apprendre une autre. oui, c'est, bon. Écoute, c'est ça. T'inquiète pas. Achako Maka, un amo, tu dois suivre son exemple. Grand frère, n'est-ce pas que je prépare un La ferme, je dis. La ferme. Arrête, tu prépares. T'inquiète pas. Je vais préparer quelque chose. Est-ce que je viens de dire j'ai? Elle va préparer quelque chose de spécial. Laisse-la préparer. Qu'elle prépare, en tout cas. Qu'elle prépare, hein, maman. Oui, ok. Maman, qu'elle elle prépare, le fera, en tout oui. Cas. Nous, un jour, d'ici là, okay. Nous allons. Et qu'est-ce que je dis? Je vais vous préparer une nourriture pour que toi. Vous veniez manger. Oui, vous deux. T'es sérieux? Tu vas préparer? Bien sûr. Alors, maman, c'est moi qui le fera pour toi. Oh, c'est bien, maman, il y a aussi. Tu veux dire qu'elle ne sait pas? Maman, c'est pas vrai. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien, je crois que tu as les yeux sur Onilaya. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu crois que je t'ai pas vu comment tu l'as regardé? Je t'avais vu. Oh, tu es tellement mystérieuse. Alors, et donc quand nous mangeons, toi tu étais... grand frère, c'est Onilaya que tu vas épouser. Elle est très belle. Juste que t'es giflé. Je sais que tu aimes Onilaya.
Qu'est-ce que c'est? Lui s'est dit qu'il est grand chasseur. Je sais, mais je ne pensais pas le voir ici. Salut, Dike. Olinania, Omachanwa, comment tu vas? Où est-ce que tu vas? Je vais à la rivière laver les légumes. Oh, tu peux en laver tout ça, ok. Oui. Elle lui parle! Alors, veux-tu qu'il s'est du suite? Je n'aime pas cette fille. Je la déteste. Tu continues de travailler? Oui, c'est exact. Alors, je m'apprête pour les diviser encore. Oh, je vois. Ouais. Tu as l'air fatigué, tu ne devrais donc pas aller te reposer. Bien, je devrais d'abord finir ce travail. En passant, je n'avais pas tellement assez de temps pour te dire combien ta nourriture était très délicieuse. Tu sais, en tout cas, tu sais vraiment préparer, hein? Et ta nourriture était très délicieuse. Merci. Attends, laisse-moi voir ça. Ok, c'est... Oh. Il l'a touché! Ah, oh bien, Lucho, pourquoi il l'a touché? C'est comme si c'est une feuille. Oh. Et voilà, je la jette. Merci. Je t'en prie. Pourquoi? Wando, qu'est-ce que tu veux? Veux-tu qu'il se querelle? Je ne l'aime pas. Je la déteste. Laisse-moi me dépêcher pour la rivière. Très bien. Prends soin de toi. Très bien. Bye-bye. S'il te plaît, sois prudente. Oui, bien sûr que oui, je le ferai. Edakuna. Elle est partie. Oui. Ah, Odo, oui. Oko Dinaya, ça je va. Crois que tu vas bien. Hein? C'est ça, où est-ce que tu vas comme ça? La ferme! Wando, ça suffit avec tout ça, ça suffit! Je n'aime pas cette fille! Je la déteste de tout mon cœur! Je sais ce que je vais faire. Salut, Dike. Obianuju, comment tu vas? Bien, merci. Donc tu as eu du culot pour parler derrière mon dos? Tu vas bien? Wando, s'il te plaît, comme tu vois, je suis tellement fatiguée, je viens de la rivière. Laisse-moi aller rendre service à ma mère, Biko. Mais recule là-bas! Pourquoi étais-tu en train de sourire et causer avec lui? Je ne comprends pas. Sourire et parler avec qui? Je vois que tu es devenue folle. Suis-je stupide pour toi? C'est ça même. Ça, c'est la qualification qu'il te faut pour ce que tu fais. Puisqu'une personne normale ne va pas agir comme tu le fais. Angenidi! Hein? Écoute-moi, Wando. Olaya! Olaya, tu m'as traité de folle? Toi! Olaya, toi! Wando! Wando, c'est quoi ce que tu as fait? Oh! Wando! Wando, qu'est-ce que je t'ai fait? Dis-moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Ça veut dire quoi?
tu sais comment j'ai souffert juste pour avoir ça. Ça, c'est juste les débuts. Si je le vois encore près de toi, si seulement j'ose te voir à ses côtés, je vais te tuer de mes propres mains. Allez, dégage de ma vue! Espèce d'imbécile, stupide. On n'y a rien. On n'y a rien. Wando, est-ce que tu vas bien? Hey, arrête-toi là. Ne me parle pas. Tu es son ami. Allez, dégage d'ici. Vous êtes toutes pareilles. Regardez-moi celle-là. Hey, Olilaya. Quelqu'un? Moi, on espère que cette fille stupide. Quelle stupide fille? Quelle fille? Qui d'autre? Qui d'autre si ce n'est pas cette possédée de Wando? Qu'a-t-elle fait cette fois-ci? Elle a renversé mon panier de Onugu quand je revenais de la rivière. Oh, quel péché que je fais contre cette fille! Quoi? Elle a abîmé mon panier. Et elle a jeté par terre Onugu. Par tous les dieux. Mais qu'est-ce que je fais à cette fille? Hein? Qu'est-ce que cette fille me veut au juste? Qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce que je fais à cette Wando dans ce village? Qu'est-ce que je fais à cette fille? Wando! J'ai pas envie de lancer une malédiction à cette fille, oh. Parce que si je lance une malédiction sur elle, ça va la suivre. Je ne veux pas ça. Maman, si je laisse cette fille, c'est juste à cause de toi. Maman! Elle en fait de trop. Tu calmes. C'est juste pour toi que je la laisse. Wando! Wando! C'est bon, ma fille, c'est bon, ça suffit. Oublie-la. Laisse-la partir avec ses embrouilles. Tu sais que je n'ai personne d'autre que toi, ma fille. Je ne veux pas que quelque chose puisse t'arriver. C'est ça son plan. Et ça ne va pas marcher. Laisse-la, oublie cette fille. Qu'est-ce que tu me dis, maman? Pourquoi je ne dois pas me venger? Ne le fais pas. Pourquoi je ne peux pas la battre? Je t'en prie. Ne te bats pas avec elle. S'il te plaît, je t'en prie, ma fille, ne fais pas ça. J'ai pas envie d'entendre que tu t'es battue avec quelqu'un. Hein? Je t'en prie, ma chérie. Hein? Okay. C'est bon, ma fille, calme-toi. Ok, bien. Maintenant qu'elle a gâché notre anugo, qu'est-ce que nous allons manger maintenant? Oh. Maman, apporte mon kobiko. Écoute, j'ai déjà mis quelque chose sur le feu. Quelque chose que tu vas adorer. Je prépare quelque chose de très délicieuse. D'ailleurs, écoute, j'avais de la bacha. Et le poisson séché à la maison. Maman. Et c'est déjà prêt. Je n'attendais que toi pour que nous puissions manger ensemble. Tu fais ça juste pour me flatter. Non, c'est vrai. Il y en a là-bas. Va dans la cuisine et tu le verras. En même temps, j'attendais sur ce que j'ai mis sur le feu. Un kabacha est déjà prêt. C'est déjà. T'inquiète, ça la prochaine fois que Wando va encore oser me défier. Je sais de quoi tu es capable, la prochaine fois qu'elle osera me défier. Je te connais bien. Maman, c'est vrai que tu as fait abacha. Oui, ma petite princesse. Ne la suis pas. Elle est jalouse. Elle est jalouse de toi. Cette jalousie va la tuer. C'est une très mauvaise fille. Ne la suis pas. Ne lui prête pas attention. Stupide fille. Anofia. Elle n'a rien. Elle envie tout ce que tu possèdes. C'est tout le jour qu'elle te cherche le problème, les embrouilles. Mais qu'est-ce que tu lui as fait? Je ne vais pas accepter cela. Au cas où tu ne le sais pas, tu possèdes quelque chose qu'elle n'en a pas. C'est pour ça qu'elle est jalouse de toi. Ah, tu dois utiliser ta tête. Hey, elle risque de te blesser pour rien. Hein? Ah, la seule chose que j'ai. Tu veux la blesser, alors qu'est-ce que je dirais aux dieux? Omaricha.
Omolecha. Omolecha. Ne vas-tu pas entrer? Ta nourriture va se refroidir. Né. Du fait ce qu'Olila est en train de causer avec Dike, cela me fait mal au cœur. Ma fille. Je t'ai parlé maintes fois. Oublie Olilaya. Les dieux vont t'envoyer un homme qui va beaucoup t'aimer. Qui va bien te chérir comme la princesse que tu es. Né. Dike est le seul homme que j'aime. C'est le seul homme dont je me suis attachée de toute ma vie. Oublie ces Dike. Les dieux t'enverront ton homme, ma fille. Tu ne comprends pas. Quand je pense à Dike, je me sens bien. Mais pourquoi Lilaya me fait ça? Pourquoi est-ce qu'elle me fait ça, cette fille? Non, je ne peux pas. Maman, je ne peux pas supporter cela. Calme-toi, ma fille. Ma fille, arrête. Arrête de briser mon cœur. Tu me fais mal au cœur, ma fille. Arrête. Maman. Tu es une très belle fille, ma fille. Il ne faut pas t'inquiéter. Les dieux t'enverront un homme. Les dieux t'enverront... C'est fini. Arrête de pleurer. Non, je suis foutue, maman. Ok, ok. Tu veux avoir Dike? Tu veux l'avoir? Oya, allons dans la maison. Wando, qu'est-ce que tu as? Je n'arrête pas de penser à lui. Qui c'est? Dike. Lorsque je me rappelle ce qui s'est passé l'autre fois à la rivière, la façon dont il m'avait appelé, la façon dont il m'a regardé, mon cœur était tellement ému. Wando, tu es en train de penser à un homme? C'est incroyable. Je veux dire, je ne peux y croire. Moi-même, je n'arrive pas à comprendre. Je n'ai jamais senti ces choses de toute ma vie. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Qu'as-tu l'intention de faire? Je ne sais pas. Je suis confuse. Wando, c'est la première fois que le sang coule dans tes veines. Alors tu dois faire quelque chose. Obianuchu, qu'est-ce que je veux faire? Tu es un enfant spécial, rappelle-toi. Ce que tu veux, tu l'obtiens. Et si je ne l'obtiens pas? J'ai peur. J'ai vraiment peur. Je ne sais pas. Je t'en prie, ne laisse pas que la peur puisse prendre les dessus sur toi. T'inquiète pas, nous ferons quelque chose à propos de ça. Es-tu sûr? Oui. Merci. Merci, Obianuchu. Tu es toujours de mon côté. Allez, remettons au travail. Il s'est fait tard. Merci. Waneka. Waneka. Waneka, mais je t'appelle, non? Mon frère. Oh, mais qu'est-ce qui te retient, non? Ne vas-tu plus au marché pour vendre ce que tu devais vendre? Le temps passe. Elle n'est pas encore là. Elle n'est... Qui n'est pas ici? Es-tu en train d'attendre quelqu'un? Oui. Hein? Qui attends-tu? Tu ne m'as rien dit. Ah, la voilà.
femme. Olilagne, bienvenue. Lagne, qu'est-ce qui t'a retenu si longtemps, non? Désolée. J'étais en train de t'attendre depuis. Je suis désolée. Je devais apprêter à manger pour ma mère avant de sortir. Désolée, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe ici? Je lui avais demandé de m'accompagner au marché aujourd'hui. Oh, je peux voir que vous deux, vous êtes déjà habitués ensemble. Omaka, c'est très bien. Ok, Olilaya, tu sais que tu es très belle. Merci. Vraiment. Grand frère. Nous partons. Laisse-moi aller avec mon ami. Très bien. Très bien. Ilaya, il m'a quand même bien quoi. On va aller chez moi. Cody, à ton tour. Cody, rassure-toi de rentrer à temps. Hein? Ok. Hein? D'accord. S'il te plaît, Odilaya, tu peux toujours venir la raccompagner ici, hein, avant de rentrer chez vous là-bas à la maison. Hey. Mais quelle beauté. Ne quoi nanya. Kuna kasi. Hey. Oh, kwa moke kampu, oh, kwa moke kampu. Allez. Autodoma, ma fille. As-tu bien dormi? Maman, j'ai dormi comme un bébé. Merci, oh Dieu. Es-tu sûre? C'est sûr, maman. J'ai bien dormi. J'ai fait ton plat préféré aujourd'hui. Hey, maman, je suis impatiente. Wando. Tapi kamu aja. Maya rebu mau bikin. Thank you.
non, s'il te plaît, c'est moi. Ne tire pas, s'il te plaît, c'est moi. Oh, mais ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais dans la brousse? J'étais venu prendre du bois. Quoi? Tu es venu prendre du bois? Personne ne vient chercher du bois ici. Je t'aurais tué. S'il te plaît, je suis désolée. Je suis vraiment désolée, pardonne-moi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Hey, les dieux de mes ancêtres, j'aurais tué un être humain. Hein? J'ai cru que c'était une antilope enceinte. Hey, Tufia, quoi. Tufia, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Hey, je ne veux pas de problème, oh. Otoba. Hey, Onye, Odogu, Odogu. Otoba. Odogu, Odogu. Eziaem. Amadi. Eziaem. Amadi, le fils du plus grand fermier. Dike, le grand chasseur de notre temps. Omo. Le seul chasseur de ce village qui chasse avec ses yeux fermés. Ogunodo. Pendant que les animaux s'entretuent. Ogunodo. Omo. Dike. Omo. Le seul chasseur dans l'histoire de notre terre qui a déjà touché la queue d'un tigre vivant et a survécu. Hey. Eziaem. Amadi. C'est à toi qu'appartient tous les champs de cette communauté. Eziokoubou. Où sont cultivés les ignames et toutes sortes d'aliments. Eziokoukou. Tu es trop fort. Assieds-toi, mon ami. Assieds-toi. Dalo. Iwalidje. Hey. Ekeme. Ademo. Tu vois, Amadi, j'aimerais te demander quelque chose. Ok, vas-y. Depuis quand les gens de notre communauté, plus particulièrement les demoiselles, ont commencé à chercher du bois dans la forêt d'Abété? Dans la forêt d'Abété? Jamais. La forêt d'Abété est faite pour des grands chasseurs comme toi, car c'est là où tu tues tous les plus dangereux des animaux sauvages. Bien. Elles ne vont pas là-bas. Bien, je sais. Alors, j'ai cherché une seconde opinion. Tu vois, en chassant la fois passée, j'ai failli tuer Wando. Wando? Wando, Wando. Wando, la fille du défunt Isokafo. Oh, Wando, non mais que faisait-elle là-bas? Si tu me demandes, Dike le chasseur n'en sait rien du tout. Tu sais, cette fille, je l'ai toujours trouvée étrange. Vraiment, vraiment étrange. Mais elle est aussi belle. Elle est très belle et différente. Et elle est aussi très mystérieuse. Très, très mystérieuse. Bien. Dike, tu commences à vraiment trop parler de Wando. Es-tu intéressé par elle? Ouais, c'était le cas. Mais maintenant, mon cœur bat pour quelqu'un d'autre. Et pour qui est-ce que le cœur de mon ami bat actuellement? Elle s'appelle Olilania, la fille de Ugodia. Ugodia? Ijoku. N'est-ce pas merveilleux ça? Hein? Hein? Obiago. Oh, tu me Obiago. Soutiens. Tu me soutiens. Je te soutiens pour celle-là. Hein? Tu sais, cette jeune femme est vraiment très belle et surtout très bien éduquée. Et c'est ça le plus important. Oui, je sais. Je sais. Donc, tu me soutiens. Oui, je te soutiens. Alors, tu sais quoi? Quoi donc? J'ai le vin de palme le plus frais, venant de Douche. Mm-hmm. Mais aussi, j'ai en ma possession de la viande sèche. Mais pour la mébo. Ofuma, t'es pas sérieux? Oh, s'il te plaît, prends ce temps. Hé, Mbao, à ce truc-là, je ne touche pas. Oh, mais qu'est-ce que tu es incroyable. Le grand chasseur. Kaburo Bonnier, là. Attends-moi, s'il te plaît, j'arrive. Le grand chasseur, oh. Ah, du vin de palme. Comme si je le savais.
Désolé, s'il te plaît. Désolé, vraiment. Tu m'as fait peur. Je suis vraiment désolé. Désolé, mon amour, s'il te plaît. Tu peux le reprendre. Merci. Où est maman? Elle n'est pas ici? Maman? Non, elle vient de partir au marché il n'y a pas longtemps. Oh, je vois. Ah, ok. Voyons. Je t'ai apporté ce gibier. L'Olacote. Jeez. Tu l'aimes? C'est très grand. Merci beaucoup. Je t'ai apporté ça. Et alors, beaucoup viennent voir après. Je suis touchée. Que oui, Dieu te bénisse. Mm-hmm. C'est quoi ça? Es-tu encore timide? Hein? Es-tu encore timide? Olilagne, tu n'es pas à l'aise avec moi. Oh, mais dis-moi si ma présence te met mal à l'aise. Non, ce n'est pas ça. J'apprends à être confortable avec toi. Oh. Très bien. Prends ton temps. Dike attendra. Bien, il faut que j'y aille maintenant. Déjà? Ouais. Que les dieux soient avec toi. Qu'ils soient aussi avec toi. Et mes salutations à maman. Salut ta sœur. Très bien. Wando, qu'est-ce que tu as? Oh bien, Luchu. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire par tu ne sais pas? C'est dit que... il me revient toujours en tête. Tu continues toujours à penser à Dike? Oh bien, Luchu, je ne pense même pas à lui. Mais je le sens. J'imagine Dike. Oh bien, Luchu, qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas. Wando, tu dois oublier cet homme. L'oublier? Comment je peux oublier quelqu'un à qui je pense? Quelqu'un que j'imagine tout de moi est devenu Dike maintenant. Tu ne comprends pas. Oh bien, Luchu, je sais ce que je vais faire. Quoi? Je crois que je dois lui dire. Je dois lui dire ce que je ressens pour lui. Je ne peux pas mourir dans les silences. Hein? Wando, es-tu folle? Est-ce que tu as déjà entendu, ou soit tu as déjà vu, dans ces royaumes où une femme fait des avances à un homme? Wando, ne cherche pas à t'attirer de l'humiliation. Qu'est-ce que je vais donc faire? Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? La discipline. La discipline? Oui. Comment? Discipline-toi. Contrôle tes émotions. Ne laisse pas que tes émotions prennent les dessus. Oh bien, tu dis tout ça parce que tu ne sais pas ce que je ressens. Prélève ma température, ça, parce que je sais pas. Tout mon corps n'est plus à moi. Wando, mais t'es toute chaude. Wando, tu as besoin d'aide. Très rapidement, je veux de l'aide. Je veux l'aide de tout le monde dans ce monde. J'en ai besoin. S'il te plaît, aide-moi. Oui. Ça va marcher. Ok, je vais aller à l'intérieur. D'accord. C'est bon. Salutations. Oui, salutations. Oh, je vous salue, chère demoiselle de notre terre. Comment allez-vous? Ça va. Nous allons bien. Vous allez au ruisseau? Ouais.
Oui. Oh, très bien. Adugo. Oh, c'est quoi? Comment tu lui fixes tes regards comme ça? Ogoma. Diki est un jeune homme très beau qui travaille beaucoup. Tu peux le dire encore. Je partage tes émotions. Oh, j'aurais souhaité qu'il passe sur mon chemin. Ça veut dire quoi? Pourquoi tu ris? Qu'est-ce qui est drôle? Arrête de rêver. Réveille-toi. N'est-ce pas que je suis une femme? Bien sûr que oui. Et alors? Mais regarde, tu n'es pas de son genre. Es-tu en train de m'insulter? Je ne suis contente de te dire la vérité. S'il te plaît, je suis en dehors de ça. Tu oses m'insulter? Toi, tu peux t'égaler à moi. Est-ce que tu es plus belle que moi? Inayara, n'importe quoi. Orokoko Yahweh. Oh, mon prince charmant. Allez, attends-moi. Salut Amadi. Salutations, belle demoiselle. Comment allez-vous toutes les deux? Ça va. Olaya, comment va ta mère? Ma mère va bien, merci. Edike, comment va-t-il? Il va bien aussi. Ok, où allez-vous comme ça? Nous allons à la ferme. Odema, Odema, Omoma. Voilà. Bien, voilà quelque chose pour vous. Je veux que tu prépares quelque chose de très spécial pour mon ami Dike. Non, ne te dérange pas, c'est pas important. S'il te plaît, ne refuse pas, ok? Ok, si merci. Tu l'as dit, d'accord, merci. Merci. Waneka, comment va ton oui, frère ça va, aussi? Il va bien. Je t'en prie, salut de ma part. D'accord. Olilania, j'ai hâte que mon frère te dise déjà tes intentions. Je suis inquiète. Bon, je crois que nous devons encore attendre. J'en ai hâte moi aussi de le voir se réaliser. Qu'est-ce que t'en dis? C'est ton frère, je n'en sais rien. Attaqué. Oui, il est entré là-bas. Oui, le serpent. Oui, un très grand serpent. C'est oui, bon. Il voulait nous mordre. Oui, le serpent. C'est bon, c'est bon. Peut-être qu'il s'est enfui dans la brousse. Hein? C'est bon, juste apaisez-vous. Ok? C'est juste que j'ai peur de partir parce non, qu'il peut tu ne dois pas avoir peur. En fait, ça ne viendra plus, hein? Ok. C'est bon. Ok? C'est bon, s'il te plaît. Aide-la, raccompagne-la à la maison, hein? D'accord, oui. Ça va? Ok? Ça va? Oh, tu as trop peur! D'accord? Calme-toi, ok? Très bien, alors. Dike, mes compliments à ta sœur Neka. Oh, très bien. Très bien, alors. Bye. 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 Ça marche. Merci beaucoup. Je te dis, non, j'aime, je te dis merci. Ça marche. Oh, jeune fille. C'est juste que je veux qu'il soit à moi-même. T'inquiète, ça sera un processus progressif.
Merci, Obianuchu, pour cette meilleure idée que tu m'as donnée. Merci de tout ton cœur. Je t'en prie. Merci beaucoup, ma chérie. Hein? Dans ce cas, je peux voir qu'Edike et toi, vous finirez par être ensemble. Obianuchu, tu viens de dire quoi? Oui. Ne blague pas avec moi. Eboubé, Awane, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu cours comme ça? J'espère que tout va bien. Eboubé, tout ne va pas bien. Ce que je vis aujourd'hui, c'est une abomination. Ah, que le Dieu épargne. Je ne t'ai jamais vu dans cet état. Et j'espère que peu importe le problème, ça doit sûrement être sérieux. Mais attends un instant, qu'est-ce que les hommes t'ont fait cette fois-ci? Eboubé, j'étais en route pour chez Adako. J'ai vu Dike et Amando en train de flirter en cours de route. Hein? Quoi? Hey! Chibo! Chibo! Hey! Dike, les grands chasseurs. Hey! Faut pas croire quelque chose qu'on appelle homo. Hein? Ce n'est pas une histoire. Je l'ai vu de mes propres yeux. Hein? Et son ami stupide, Obianuju, était là en train de rire comme une chèvre. Mwado était là avec Dike. Même pas dans la forêt, mais en cours de route. Ah, quelle honte! Ah. Mais comment est-ce qu'elle peut faire ça? Au moment où elle sait bien que le mariage de son ami, c'est pour bientôt. L'autre fois, j'avais vu Wando faisant semblant d'avoir cassé sa cruche et dit qu'il était en train de la consoler. Et ils étaient très très bien collés. Son ami Amandi était aussi là. J'avais fait semblant comme si je ne les avais pas vus. Mais aujourd'hui, non. Je pars chez Olilanya. Je pars lui dire comme ça, elle saura avec quel genre d'homme elle va se marier. Je ne peux pas fermer ma bouche et regarder cette voleuse de mari d'autrui. Ah, non. Ça ne sera pas possible. Tu as totalement raison. C'est exactement ce qu'un ami doit faire pour son ami. Mais, j'allais venir avec toi, mais ma mère m'a demandé de classer ses bois avant qu'elle ne revienne du marché. Alors, je crois que tu dois y aller seule. Ok, Boubin. Laisse-moi courir pour aller lui dire chez elle. D'accord. Oli, là, il y a... Hein? Oli? Omalicha? Hein? Oli, j'espère que tu te rappelles qu'Edike avait dit qu'il viendra nous rendre visite aujourd'hui. Olilaya. Je sais. Je viens dire, est-ce que tu te rappelles qu'il viendra te rendre visite aujourd'hui? Olilaya. Maman, je ne suis pas oubliée. Ah, pourquoi fais-tu cette tête? Y a-t-il un problème? Il n'y a pas de problème, je vais bien. Ah, quel genre. Okay. Ils sont là. Hein? Maman. Oui. Mais bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je vous en prie, prenez place. Oh, merci. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Hey, vous êtes les bienvenus, mes enfants. Comment Alicia? Je vais bien. Ça va. Ok. On fait, mon vieux. Ok. Maman, comme nous le savons tous, notre peuple le dit, une chauve-souris ne vole pas en plein jour pour rien. Exactement, hein? C'est ça. Voilà. Mon meilleur ami ici m'a dit en privé qu'il avait vu une magnifique fleur dans votre parcelle. Ah. Et c'est exactement pour cette belle fleur que nous sommes venus ici. Pour déclarer son intérêt. Hein? Ok. Afin que nous puissions la cueillir. La ramener dans la parcelle de son père, oui. Afin de la replanter, voilà. Voilà. Ezioku, Ezioku, tu as raison. Ok. Mes enfants,
vous vous êtes bien exprimé. Mais dans vos paroles, vous avez plus parlé en parabole. Mais je crois avoir compris ce que vous essayez de dire. Mais figurez-vous que cette fleur dont vous êtes en train de parler... je dois d'abord... Lui demander. Je dois d'abord avoir son avis. Avant que vous ne la preniez et que vous allez la planter dans votre parcelle définitivement. C'est un peu ça. Oui. maman, s'il vous plaît. Oui. Acceptez cette jarre de vin de palme. C'est... de la part de mon ami, déclarant son intention. Oui. Ah, Banu. On y a quand même bossé. Je ne suis qu'une femme. Et selon notre tradition, ce n'est pas à moi de prendre ce vin. Elle a des oncles. Je dois aller causer avec eux. C'est à eux de parler et pas moi. Maman, tu as raison, tu as raison. Nous comprenons aussi la tradition. La tradition. C'est la moindre des choses à faire. Oui. Mais nous l'avons juste apporté comme un symbole. Oui, c'est ça, en gros. C'est juste pour que tu puisses... en fait, la dot proprement dite viendra. Oui, maman. Le fait des cas d'intention, tu peux le garder. Tout. Oui. Oui. Donc, vous les prenez sous cet angle? Oui, oui. Ah ouais, en fait. Oui, c'est ça. Je comprends. Merci beaucoup. Et wow. On dit quoi alors? Merci, merci en tout cas, maman. Vous êtes merci très gentil. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous devons partir. Hein? Oui. Aussi vite. Bien, maman, nous devons partir. Ah non, maman, ne vous inquiétez pas, même une prochaine fois. Mais s'il vous plaît, faites tout pour nous répondre le plus vite que possible. Je le ferai. Je le ferai pour merci. Oui. Maman, au revoir. Oh Laya, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu fais cette tête? C'est comme si tu n'es pas content de le voir. Je suis contente. Alors c'est quoi le problème? Maman, je dis que je suis contente. Mais tu n'en as pas l'heure. Oli Laya! Oli! Qu'est-ce qu'il a? C'est quoi le problème? Dike! Dike, chelou. Attends. Oh. Omalicha. C'est qui que tu appelles Omalicha? Comment oses-tu? Indique. N'as-tu pas honte? Indique, n'as-tu pas honte? Après que tu aies fini de te balader avec Wando dans tous ces villages, tu as quand même les clés d'amener les boissons à ma mère. Indique. Indique. Écoute, Olilania, je ne comprends rien du tout. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Dis-moi. Ah ah. Dike. Wando, comment? Même toi. N'étais-tu pas là le jour où Wando a demandé à Dike de l'aider avec sa calebasse? Elle l'a porté pour elle avec plaisir. N'étais-tu pas là? Olilania, si ce n'est que pour ça que tu as couru et crié comme ça, dis que mon ami n'est pas comme ça. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Non, ce n'est pas ce que je crois. Alors dis-moi, Dike, c'était quoi? Olilania, quel problème as-tu avec Wando? Beaucoup de problèmes. Dike, beaucoup. Beaucoup alors, beaucoup de problèmes. Enfin, c'est même pas pour ça que je suis venue. Je suis venue te demander. Tu as moqué tu Wando? Réponds. C'est moi que tu veux ou Wando? Tu sais... elle a encore l'air si belle quand elle est en colère. Oui, et je puis témoigner. Tu dis vrai, mon ami. Bien, bien. Omalicha, ma beauté, ma princesse, écoute-moi. Tu es mon amour. C'est toi que je veux. C'est avec toi que je compte passer le reste de ma vie. Ok? Alors, arrête ça, s'il te plaît. Écoute-moi. Il n'y a pas de Wando. Il n'y a que de Olilania. Hein? Né. Es-tu sûr? Amadi, parle-lui. Bien. Omalicha, Mounia, chérie, écoute, laisse-moi te dire. Tu vois mon ami Dick qui est ici présent. Il n'aime que
toi et personne d'autre. Il n'a aucune autre femme, où que ce soit. Tu es celle avec qui il aimerait passer le restant de sa vie. Inugia. Je jure par les dieux. Inugia. Inugia, as-tu entendu? Hein? As-tu entendu? Alors calme-toi. Bien, bien, bien. Je pars, on se voit plus tard, ok? Ah, je t'attends devant là, ok? Allez, viens ici, mon amour. Viens, viens. Ah, viens, ma chérie. Ah. Amadi, Amadi, pas si vite, s'il te plaît. Attends-nous là. Allons-y. On y va. Amadi, ralentis, non? Moi. Elle a volé tout ce qui m'appartenait. Je veux Dike. Il est tout ce dont je désire. Personne ne peut l'avoir. Je dois avoir Dike. Je dois avoir Dike. S'il vous plaît. Je veux Dike et je veux l'avoir. S'il vous plaît, aidez-moi. Elle ne peut pas me ravir mon Dike. Je ne peux pas. Non. Elle ne peut pas me ravir mon Dike. J'ai besoin de Dike. Je veux l'avoir. Je veux l'avoir. Non. Non. Je veux qu'il m'appartienne, je veux qu'il soit à moi seul. S'il vous plaît, aidez-moi, j'ai besoin de Dike. Dike, je ne veux que toi. Non, je dois avoir Dike, non, il doit m'appartenir. Elle ne peut pas me ravir mon Dike. Non, non. Je ne peux pas lui permettre. Wando! Amadou, qu'est-ce qu'il y a? Qui court après toi? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, mais dis-moi, qui t'a dit ça? Je l'ai entendu auprès de Waneka au marché. Non, 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 non. Dis qu'elle est le seul homme que moi j'aime de toute ma vie. Je ne t'aurai pas. Non, dis-moi, qu'est-ce que nous allons faire je maintenant? Je ne sais pas. Dis-moi, hein. Je ne sais pas. Oh, Maïleja, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh, bien, Oji, qu'est-ce qu'il y a? Pouvez-vous me dire qu'est-ce qui s'est passé ici? Maman... Oh, Maïleja! Hé! Qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Hé, hey, mon Dieu! C'est quoi encore? Hein? Chimo! Oh! Qu'est-ce qui se passe encore avec cette fille, mon Dieu? Hein? Qui est-ce? C'est qui là? Dike. Wando. Dike. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Ah, je suis venu te voir. Pourquoi? C'est juste une visite. Oh, je ne suis pas la bienvenue ici. Bien, notre peuple ne chasse jamais les visiteurs. Prends place. Merci. Je veux que tu te prépares pour la chasse. En effet, je me suis réveillé un peu tard, mais j'essaie de me préparer en fait pour me rattraper. Je sais que les animaux sont heureux parce que je ne suis pas là, mais d'ici là, je vais leur rendre visite. Alors, ta sœur Waneka? Eh bien, elle est partie chez Ugodia pour voir Olilani. Je vois. Je voulais... Quoi? Dike. Oli, mais arrête, arrête s'il te plaît, arrête! Qu'est-ce que tu fais ici? Je vois que tu n'es pas d'accord
pour ma visite. Pourquoi le serais-je? Parce que c'est juste une visite amicale. Une visite amicale, tu dis? Je reprends la question. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne sais pas comment te répondre. Y a-t-il... As-tu un problème avec Olilagne? Dike, écoute. Ne jugez pas le gens de loin. Parce que la personne que tu crois être la plus mauvaise peut être bonne si seulement tu la découvres. S'il te plaît, je t'en prie, Dike. Que les dieux te protègent. Dike, qu'est-ce que tu es en train de faire avec cette fille stupide? Waneka, je pense que nous mécomprenons Wando. Qu'est-ce que tu racontes? Comment? Écoute. Cette fille a une personnalité intérieure que nous devons tous découvrir. Hey, Chimo. Hey, Wendo. Qu'est-ce que tu as fait à mon frère? Non, ma soeur. Non, n'y va même pas. Non, j'ai réfléchi juste qu'elle pourrait aussi être merveilleuse. S'il te plaît, essaie un peu de la comprendre. D'accord? Frère, c'est ce que je dis. Olilania, ta fiancée vient de partir. Elle n'est pas du tout contente. Tu n'as je peux toujours aller voir Olilania, mais écoute... Waneka! Mais qu'est-ce que tout ceci veut dire, hein, vraiment? Waneka! Hein? Et donc, c'est devenu comme ça, hein? Olilania! Olilania! Olilania, mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce que c'est? Je te demande d'arrêter de pleurer, mais tu n'écoutes pas. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi! Tu ne peux donc plus te confier à ta mère? Écoute, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, je vais te laisser et rentrer dans la maison. Maman. Dieu merci, tu es venue. Omalicha. Elle ne fait que pleurer. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui ne va pas. Elle refuse de me parler. S'il te plaît, aide-moi à lui demander pourquoi elle pleure. Peut-être qu'à toi, elle va parler. Omalicha, pourquoi est-ce que tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Dike, pourquoi? Je te donnais mon cœur, tu l'as brisé pour aimer une autre personne. Hein? Hey, je ne sais pas du tout de quoi tu parles, mais pourquoi tu dis ça? Hein? Vraiment, je ne sais pas de quoi je parle. Tu sais comment ça me peine quand tu fais semblant ou tu veux ignorer ce que je t'ai dit? Je ne comprends pas, hein? S'il te plaît, qu'est-ce qu'il y a? Maman, demande-lui. N'es-tu pas en train de voir cette fille, Wando? Chimo! Dike! Dike! Maman, aussi longtemps que le soleil se lève chaque matin, je jure que Wando et moi n'avons aucune liaison. Elle m'a rendu juste une visite amicale. Visite amicale, mon œil. Visite amicale, mon œil. N'est-ce pas toi qui l'as accompagnée la fois dernière avec sa calebasse? Et aujourd'hui, elle est venue dans ton hut. Elle est venue jusque chez toi, juste pour une visite amicale. Olilane, arrête! Maman, tu devais le voir comment il parlait en amoureux. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien entre moi et Wando. C'est avec toi que je compte passer le reste de ma vie. Si je n'étais pas sérieux, pourquoi devrais-je apporter de la boisson à ta mère? Écoute, vois les choses du bon côté et arrête tout ça. Je ne veux pas vous voir tous deux ensemble. C'est bon. C'est bon, ma fille. Arrête de pleurer. Ça suffit, ma chérie. Maman, s'il te plaît. Pourquoi se met-elle extrêmement en colère à chaque fois qu'on parle de Wang? Hein? Pourquoi? C'est une très longue histoire. Wando et ma fille Olilaya, elles sont les amies d'enfance. Elles ont grandi ensemble. Elles jouaient ensemble.
Un jour, pendant que Olilaya et Wando jouaient, Olilaya l'avait accidentellement blessé sur le front avec un bâton. C'est cette marque qu'elle a sur le visage jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a jamais été heureuse avec cette cicatrice. Depuis ces jours-là, elle a toujours considéré ma fille Olilaya comme une ennemie. Oh, c'était donc ça sa marque. Hein? Mais ça fait longtemps. Elle devrait au moins oublier tout ça. Non, pas Wando. Elle me dit que quand elle regarde au miroir, elle me hait encore davantage. Oh. Bon, alors, maman, je suis venu te rappeler que dans 8 jours du marché, la cérémonie de mon mariage avec Olania aura lieu. Ça serait une bonne chose. Oh oui. Tous les villageois seront ici. Et mon fils. Je ferai de Olilaya une femme de fierté. Nous attendrons. J'ai entendu. Oh, maman, attends. J'ai entendu, attends, j'ai tout entendu. C'est à moi que tu parles? Olilaya, c'est à moi que tu parles? Tu mens. Laisse-moi voir s'il y a encore quelqu'un d'autre ici avec nous. Ne sois qu'on n'est qu'à deux. Bien sûr que c'est à toi que je m'adresse, Wanemo. Ce n'est pas toi qui se comporte comme un serpent. Olilaya, je peux voir que tu oublies très vite comment je fouette la folie que tu as. Ne cherche pas à ce que je le répète maintenant. Je ne te laisserai plus faire cette fois-ci. Hop, Makam. Essaye, tu auras ta démonstration. Ose encore, tu verras comment ta folie te mettra en péril. Espèce de folle. Tu es vraiment comme une chienne. Voilà pourquoi Dike va bientôt te quitter pour moi. Dike, mon Dike privé, encore qu'un ok. Laisse-moi respirer. Toi, regarde comment tu es. Ma chère Haïtus apaisement, j'ai oublié de t'informer que nous nous marions, moi et Dike, au prochain jour de marché. Le seul homme que j'aime, cette chose, je n'abandonnerai pas. Non.
Mais, maman, n'est-ce pas cette fille? Qui d'autre c'est pas Wando? Hé, hey, Wando encore? Elle t'a encore dérangée? Je l'ai vue à mon retour. Oui, elle a fait. C'est qu'elle a toujours l'habitude de faire. Elle s'est moquée de moi, comme elle le fait souvent. Écoute, c'est bon. C'est bon, ma fille. Continue à l'ignorer ainsi. Maman, tu me dis toujours de l'éviter. Jusqu'à quand je continuerai à l'éviter? Pourquoi je ne lui donne pas sa leçon? Tu n'es qu'aimé. Pourquoi c'est moi qui dois l'éviter? Et non, le contraire. Oh, Kennedy. Hey. Ça veut dire quoi? Évite-la, ma fille, je t'en prie. Essaye de l'éviter. Fais-le pour moi. Je t'en prie, ma fille. Maman, arrête ça, s'il te plaît. Pardon. Je ne peux pas continuer à l'éviter pendant qu'elle me provoque en premier. Écoute. Elle pense que je perds d'elle. Ma fille. Je le sais. Je sais très bien de quoi tu es capable. Ah, est-ce pas que tu es ma fille? Je te connais bien. Je sais que tu peux la réduire en bouillie, la mettre en deux pièces. Mais je t'en prie, ma fille, oublie cette fille. Cette fille n'est pas normale. C'est une sorcière. Tu veux qu'elle te fasse du mal? Maman, sache que la prochaine fois qu'elle osera me provoquer, la prochaine fois, je ne prendrai pas compte de tes conseils. Hein. Maman, interdis-la de me provoquer. Je ne veux pas de c'est problème. C'est ça, ma fille. Je sais ce que tu peux la faire. S'il te plaît, oublie-la. Adane. Ma fille, s'il te plaît, avance-moi les couteaux. Fais vite. Maman, je n'apprécie pas ce qu'elle fait. Je sais que tu n'aimes pas. Je n'apprécie pas ça. Je ne veux pas de ça. Je le sais. Qu'elle ne me prend pas pour une lâche. S'il te plaît. Vite, les couteaux. C'est dans la maison. S'il te plaît, apporte-moi les couteaux, ma chérie. Maman. J'avais oublié de le prendre. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Elle veut se battre avec elle. Et mon Dieu, cela n'est pas possible. Prochainement, comment ça? Il n'y aura pas de prochainement. Il n'y aura pas de prochainement. Tu vas te battre avec elle pour qu'elle te blesse? Non. Wando, qu'est-ce que c'est? Wando, rappelons-moi. Peu. C'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ziki, non. Wando, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Ziki, s'il te plaît, je t'en prie. Ne me fais pas ça. C'est quoi le problème? Faire quoi? Ne vois-tu pas que mon cœur est amoureux de toi? Ne le vois-tu pas? Écoute, Wando, s'il te plaît, arrête de faire ça. Mais pourquoi tu fais ça? Hein? Tu veux l'épouser, c'est ça? Épouser qui? Olilanya. Dis-le, s'il te plaît, ne l'épouse pas. Je t'aime de tout bien, mon cœur. Wando. Pourquoi tu veux briser la relation de Oninaya? Pourquoi? Pourquoi? J'aime énormément ton frère, s'il te plaît, parle avec lui pour moi. Ça, c'est de la folie, mais pourquoi? Si c'est la folie que ça reste ainsi dans toute ma vie, dis que s'il te plaît, c'est toi que j'aime. Je ne veux pas d'un autre homme, dis que s'il te plaît, je t'en prie. Tu mens. La honte ambulante. Comment tu peux faire des avances à un homme? Hé, hey, abomination. Allô? Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Je te vois dans mes rêves. S'il te plaît, je t'en prie. Wando, pars d'ici vite, sinon je vais crier. Je vais crier. Oh. Je vais crier. Non, Waneka, ça va. Écoute, s'il te plaît, tu dois comprendre que ce n'est qu'une femme et qui veut exprimer ses sentiments. Grand frère, je refuse de l'accepter. Il est temps pour toi de faire face à la réalité, d'arrêter de te tromper toi-même dans des rêves inutiles. Arrête d'interférer entre lui et Olinia et à sa fiancée. Waneka, s'il te plaît. Wando, s'il te plaît, je t'en prie. Rentre dans la maison de ton père, ok? Tu me demandes de partir? Non, écoute. Ne permets pas à tes émotions de contrôler tes sentiments, ok? Ne me permets pas de te hanter, ok? Écoute, rentre dans la maison de ton père et je viendrai te voir demain. Qu'est-ce que tu veux faire? D'accord? Promets-moi que tu viendras, comme ça nous aurons le temps de parler. Je viendrai. Es-tu sûr?
Es-tu sûr? Je viendrai, ok? Merci, d'accord. Je vais alors t'attendre demain. Merci énormément. Tu veux aller dans son hut? Pourquoi? Oh, écoute, fais confiance à ton grand frère. Je sais ce que je fais. Ok? Oh, quelle honte! C'est quel genre d'amour comme ça? Écoute, ne le prends pas aussi sérieux. S'il te plaît, donne-moi. D'accord? Dike, Diochi est le meilleur fabricateur de vin de panne, je te dis vrai. Je ne te le fais pas dire. Alors, Dike, tu veux me dire que toutes ces choses que tu m'as dites sont arrivées dans cette parcelle? Amadi, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui raconte des histoires? Tout s'est passé ici, chez moi. Et tu lui as dit que tu la verrais. Écoute, Wando avait besoin de l'aide. Hein? Dike, ne va pas là-bas. Oui. Écoute, si l'apparence l'a totalement rendue folle, laisse-la continuer ainsi. Écoute, quand tu vois qu'elle vient te déranger ici, tu dois y aller et l'accuser chez sa mère. Un instant, qu'est-ce que je raconte? Là, c'est comme si nous faisions une différence entre elles. Parce que, telle mère, telle fille. Tu as raison. Tenant aussi compte de leur rivalité avec Olilagne. Laisse-moi aussi te donner un autre conseil, oh. Hein? Si tu veux, cherche tes propres conseils, je m'en fous. Mais je dois te parler en tant qu'ami, d'abord. Hein? Olilagna est meilleur que Wando. Wando est folle. Écoute, d'après moi, je te dirais seulement de choisir Olilagna et laisser Wando. Voilà mon conseil. J'ai dit ce que j'avais. Balayez-moi. Né, ça c'est la deuxième fois que tu balayes la parcelle. Né, je veux juste que la parcelle soit très propre. C'est tout. Est-ce que tu attends quelqu'un? Hein? Dis-moi, c'est qui la personne? Né, t'inquiète. Lorsque la personne viendra, tu vas la voir. Je veux que ça soit une surprise pour toi. Pas de problème, oh. Laisse-moi me dépêcher, oh. Peu importe la personne qui y arrive. Si toi tu es contente, je le serai aussi, oh. Mais merci, oh. D'accord. Avant que je n'oublie, tu sais que Wanda est venue chez nous supplier mon frère pour l'épouser? Est-elle malade? Cette fille n'est pas normale. Comment pouvait-elle faire ça? Ah, que tu sois folle ou pas, la prochaine fois que je la verrai près de mon frère, ce que je le ferai, je vais la battre sérieusement. Elle a commis une très grande abomination. Hein? Comment est-ce qu'une fille peut courir après un homme? On aime. Cette fille est vraiment éhontée. En tout cas, elle est vraiment avec sa tête, celle-là. Ok. Qu'elle soit au bandier ou pas, hein? Normal ou pas, si je la vois avec mon frère, j'en finirai avec elle. Continue notre travail, s'il te plaît. Elle n'est pas normale, celle-là. Qu'elle arrête d'embrayer, mon frère. Oh. C'est quoi cette histoire? Elle a vraiment un problème avec sa tête. Oh. Non, c'est pas possible. Thank you.
Bon, Malédiam, tu veux manger ta nourriture, non? Maman, non! Il doit venir! Il m'avait promis de venir, non! Oh, Malédiam, essaie de manger quelque chose, hein? Reste sur toi, ma fille! Non! Non! Il m'a déçu! Il m'a menti, maman! Et je sais que c'est à cause de cette Lilaïa! Arrête de me faire du mal! Ma fille, s'il te plaît, calme-toi! Non, laisse-moi tranquille! Laisse-moi tranquille! Eh oh! Hey! Chimo! Pourquoi m'avais-tu menti? Écoute, Wando, arrêtons de nous comporter comme des gamins, s'il te plaît, ok? Pourquoi n'étais-tu pas venu comme promis? Pourquoi? Wando, arrête avec cette folie. Ok, je suis désolé, je n'étais pas venu. Mais arrête-moi ça. Dike, tu es le seul homme que j'ai jamais aimé de toute ma vie. S'il te plaît, ne me repousse pas, je t'en prie. Wando, tu es une très belle fille. Il y a tellement des hommes dans ce village qui te voudront. Et ils sont désespérés. Et alors, laisse tomber, laisse-moi tranquille, je t'en prie. Dicky, écoute, s'il te plaît. Wando, tu me tourmentes, hein? Laisse-moi tranquille, hein? S'il te plaît. Depuis que tu as commencé, ça me met tellement mal, hein? S'il te plaît, arrête, hein? Je t'en prie, Biko. S'il te plaît, Dicky, je t'en supplie, s'il te plaît. Oh. Mon ami t'aime. S'il te plaît, accorde-lui une chance. Bien, Ojo. Ce n'est pas comme si... Écoute. Ok. Je vais y réfléchir. Je ferai sûrement quelque chose là-dessus, ok? S'il te plaît. Mais ça va. D'accord, hein, tu m'as parlé. Je vais faire quelque chose. Ok? Merci d'accord? Infiniment. Elle représente beaucoup pour moi. Je sais, oui. C'est pourquoi tu m'as fait arrêter ici. Alors, ne t'inquiète pas, ok? Ok, viens. Viens ici, ça va. Ça va, je vais y penser. Bien, Ojo. Wando, j'étais en route pour venir chez toi. La ferme. Tu vas bien? Comment peux-tu me tourner le dos pour côtoyer mon homme? Moi, Obiano Ojo. Es-tu folle? Quoi? Tu m'appelais... Wando, tu as osé me gifler?
one. No one dares take what I so desire. Les dieux de mes ancêtres, aidez-moi pour Wando. Quelquefois, j'ai envie de la corriger, mais j'ai toujours pitié d'elle. Avoir un enfant est mieux que de ne pas l'avoir. S'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît. Ma stérilité commence à me causer des problèmes avec mon mari. S'il vous plaît, aidez-moi. J'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît. Ne me laissez pas même un enfant, je vous en prie. Tout ce que je vous demande, c'est même un enfant. Je vous en prie, même un enfant seulement. Ne me laissez pas dans cet état. S'il vous plaît, faites quelque chose, je vous en prie, pardon de tout mon cœur. S'il vous plaît, ne fût-ce qu'un enfant seulement. Je vous en prie. Pitié, pitié. Que tu me demandes, femme, est très simple. Je ferai ce que tu me demandes à une condition. S'il vous plaît, je ferai tout ce que vous demandez. Une fois qu'elle se mettra en au monde, tout ce qu'elle va te demander, tu dois lui donner. Si tu ne le fais pas, c'est qui va t'arriver. C'est ce à quoi tu t'attendras jamais. S'il vous plaît, j'accepte, Biko. Unique enfant, je n'ai pas d'autre choix. C'est ça. Non, je ne peux pas la perdre. Son bonheur est ma priorité maintenant. Non. Adogo, as-tu entendu? Awando est en train de suivre Dike, lui demandant de l'épouser. Ah! Mais sans effet. C'est une abomination. Idioma, es-tu sûr que ce que tu es en train de me dire est vrai? Ai-je l'apparence de quelqu'un qui blague? J'ai l'air de plaisanter. Ah! Wando, la star. Qui se prend pour une princesse dans ces villages? Elle court derrière Dike. Ma chère, je manque même les mots. Moi, Neka, la sœur de Dike, m'a parlé. Comment est-ce que Mwando est en train de se mettre à genoux pour supplier à Dike de l'épouser? Hein? Mmh. C'est depuis quand dans ces villages que les femmes ont commencé à courir derrière les hommes? Ah, elle attire la calamité sur elle-même. Hein? Cette fille, Mwando, elle a toujours de réactions bizarres. Elle fait toujours des choses mystérieuses. Cette fille est possédée. Mais, hein? Kanana. Hé, ma chère. Hé, sans effet. Hé.
les dieux de notre terre. S'il vous plaît, ne permettez pas que je commette une erreur. Je n'ai jamais été si confus de toute ma vie. Non. Peut-être qu'il y a quelque chose de bon à son intérieur. Elle a l'air si innocente et inoffensive. Oh, les dieux de notre terre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne me permettez pas de commettre une erreur. Ça, c'est plus fort que moi. S'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi, aidez-moi. Si tu l'avais vu comment elle s'y pliait mon frère pour l'épouser, cette fille n'est pas froid aux yeux. Déolo. Okay. Déolo. Assa. Tu souris pourquoi? C'est parce que je connais Wando. Quand elle veut de quelque chose, elle ne se repose pas jusqu'à ce qu'elle l'obtienne. Que Dieu nous épargne. Je ne permettrai pas à cette fille d'être la femme de mon frère. Tu sais ce que moi, savoir peur. Peur de quoi? De perdre Vicky, bien sûr. Je connais bien Wando. Hey! Né, Métion, ne les tue plus jamais. Ce qui est pour toi et pour toi seul. Ne te laisse pas par les émotions. Oui, je sais. Je connais aussi bien Wando. Ce n'est pas la violence qui sauvera ses problèmes. C'est juste que la manière dont je l'aime, je n'aimerais pas le perdre un jour. Combien de fois je te dirais que Dicky est pour toi et toi seul? Ok? Ne te dérange pas. Je te l'ai dit à maintes reprises. Elle n'aura pas Dicky, jamais. Pas question tant que je vivrai. Ça n'arrivera pas. Je ne sais pas pourquoi tu me donnes ce coup de pouce. Mais je suis vraiment très reconnaissante pour tout l'amour que tu m'as montré jusqu'ici. Merci beaucoup. Dicky n'ira pas loin de toi. Il sera avec toi et toi seul pour toujours. Ok, bien. Assez avec Wando et toutes ces choses. Dis-moi, tu viendras chez moi aujourd'hui? Bien sûr que oui. Je suis en train de faire les ogosub. Dikeo. Dike. Ah, Amadi, tu es là? Où as-tu mis la tête? Je n'ai pas cessé de t'appeler. Dis-moi, à quoi est-ce que tu penses exactement? Et pourquoi es-tu assis ici et tout seul? Je vais bien, c'est juste que je vais bien. Tu ne vas pas bien du tout, mon ami, et je te connais très bien. Quel est le problème? Tu peux m'en parler. Parle-moi. C'est Wando. Wando encore? Pourquoi Wando devrait t'inquiéter? Dike, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Est-ce que tu t'es regardé? Tu veux que cette fille détruise cette belle relation que tu as avec cette fille Olilania? Hein? Écoute, Amadi, cette fille est innocente et inoffensive. Elle est innocente et inoffensive. Jimo. Voyons les choses sous un autre angle. Es-tu sérieux, mon ami? Lis sur mes lèvres. Parce que je suis le seul ami ainsi que la seule personne dans ce monde entier qui te dira la vérité. Qui sera bénéfique pour toi? Tu vois cette fille? Elle est mystérieuse et étrange. Je puis voir que tu veux utiliser tes propres mains pour détruire tous ces torts que les dieux ont placés dans ta propre gourde. À cause de cette fille sans aucun sens du tout. Écoute. Amadi, calme-toi, tu vois. Ne me demande pas de me calmer. Arrête de me demander de me calmer. Qu'est-ce que ça veut dire calme-toi? Calme-toi pourquoi? Pourquoi est-ce que tu me demandes de me calmer, hein? Pourquoi devrais-je me calmer? Hein? Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Si cette fille t'a donné quoi que ce soit pour manger ou pour te posséder, tu devrais vite aller chez Ezemo pour arranger ça. Est-ce que tu m'écoutes? Mais qu'est-ce qui ne va pas, oh?
Amadi. Ne m'appelle plus Amadi. C'est devenu jusqu'à ce point. Je dis ne mentionne plus Amadi dans ta bouche encore Écoute, une fois. Écoute mon cher, tu plaisantes ou quoi? Ne mentionne plus ce nom. Écoute, cette fille Wando est innocente. Elle est innocente et inoffensive, c'est ce que j'essaie de te dire. C'est quoi le problème, hein? Écoute-moi bien. C'est juste à cause de ça que écoute, tu as en fait tout un problème. Écoute-moi bien. Tu devras avoir honte de toi-même. Oui, parce que ton mariage est dans peu de jours du marché. Au lieu plutôt de parler de comment planifier ton mariage, te voilà en train de parler d'une soi-disant fille qui n'a même pas d'importance. Ne mentionne plus mon nom jusqu'à ce que tu reprennes tes sens corrects. Amadi, non, cette fille non, est innocente non, et inoffensive. Ne m'appelle cette plus, même Wando. Pas. Amadi. Ne lui inflige aucun mal. Dégage de mon chemin. Maintenant, tu n'es pas mon problème. C'est lui mon problème. Il veut compliquer mon affaire en prenant ce qui m'appartient. Alors je dois lui apprendre la bonne leçon de toute sa vie. Je ne te laisserai pas lui faire du mal. Aisément. Ça, c'est ma destinée. Et je dois avoir tout ce dont j'ai besoin. Je ne te laisserai pas lui faire du mal. Pourquoi fais-tu ça? Aidez-moi. Dike, où est-il? Qu'est-ce que tu fais ici? Où est Dike? Tu dois être stupide pour me poser cette question. Moneka, si ton frère est à l'intérieur, dis-lui que je veux le voir. Est-ce que j'ai mis de l'eau dans ma bouche? Es-tu sourde? Moneka, pourquoi es-tu inimaginable? Pourquoi? Regarde-moi ça. Tu aurais dû avoir honte de courir derrière l'homme qui ne veut pas de toi. Une disgrâce de femme. Pour ton information, dès qu'il est en train de se marier avec l'amour de sa vie, laisse-le libre, toi sorcière. Quoi? Tu m'as traité de quel nom? Tu m'as bien entendu. T'es une sorcière. Moneka, je te laisse à cause de Dike. N'ose plus jamais le répéter. M'as-tu entendu? N'ose plus jamais me parler de cette façon. M'as-tu entendu? Disparais d'ici maintenant. Dégage. Pars. Tu es juste incroyable. Il ne veut pas toi. Oh.
Oni, tu as vu cette fille au Banjé? Elle est tellement fâchée qu'elle parle elle-même. Je suis vraiment étonnée de la même façon que toi. Elle ne nous a même pas salués. Peux-tu imaginer? Je te dis que cette fille est au Banjé. Viens, suivons-la et découvrons ce qu'elle veut faire. Est-ce que c'est important? Viens, on doit la suivre avant qu'elle ne disparaisse. Ok. De l'eau. S'il te plaît, viens. J'ai besoin de ton aide. Je t'en prie. Ma fille, pourquoi tu viens troubler ma paix de cet après-midi? La grande déesse de la rivière. S'il te plaît, je veux... Tu veux savoir pourquoi les choses ne marchent pas selon que tu le veux? Regarde maintenant dans mes yeux. Tu as raison. Écoute, maintenant tu as le pouvoir pour résoudre tous tes problèmes. La prochaine fois que tu rencontreras les obstacles sur ton chemin, agis selon que tu le voudras. C'est de ta destinée d'avoir tout ce dont tu as besoin. Cette fille, où est-elle partie, hein? Elle me cherche toujours des problèmes, cette fille. Où est-elle passée, hein? Mwando, hein? Où étais-tu depuis le matin? Je t'ai cherché partout ici. J'étais au boulot. Boulot encore, c'est quoi? Et c'est maintenant que tu reviens. Né, je ne suis pas un enfant. Comme tu le vois, je vais très bien. Entre là-bas, prends ta nourriture. Ça va bientôt se refroidir. Je n'ai pas du tout faim. Tu n'as pas faim. Depuis le matin, tu n'as rien mangé. J'ai dit que je n'ai pas faim. Oh, Malédjam. Pourquoi me traites-tu de la sorte? Hein? Qu'est-ce que je fais de mal? S'il te plaît, ma fille, pardonne-moi. Hein? Pourquoi tu traites ta mère de la sorte? Tu sais que tu es mon unique. Je ne suis pas ton enfant et tu n'es pas ma mère! Je suis désolée. Mais je suis désolée. Eh oh! Eh oh!
Olélaïa, qu'est-ce qu'il y a? Depuis que tu es venue ici, tu ne m'as même pas prononcé un mot. Omalitia, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hein? Né. Dis que j'ai peur. Peur? Peur de quoi? J'ai peur de Wando. Oh non, 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 non. Non, non, pas ça. Pas ça, s'il te plaît. Écoute, je te dis, ne parle plus de Wando, hein? Ne t'ai-je pas dit ça? Obima, je sais. Mais je peur de te perdre. Je ne sais pas si ça sera encore possible si tu es né. Écoute, tu ne vas pas me perdre pour Wando ou pour qui que ce soit, ok? Hein? Omalitia, arrêtons de parler de ça. Pouvons-nous juste parler de la cérémonie du mariage qui doit avoir lieu? Hein? Désolé. Hein? Ça va. Écoute, ça va. Hein? Tout va bien, ok? Hein? Je te crois. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais manger? Comme ça, je vais aller le préparer pour toi. Ah! Quoi d'autre? Ma nourriture préférée? Ou quoi? Avec du poisson fumé. Ok, juste prends ton temps. Relaxe-toi, dans peu de temps, tout sera déjà prêt. Je relaxe et j'attends, ok? J'arrive. Va dans la cuisine et prépare-moi ma nourriture préférée. J'arrive, je compte te rejoindre. Attends-moi là. Rivière, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide, je t'en prie. Viens, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Ma fille, pourquoi tu ne me laisses pas me reposer? La grande déesse de la rivière, quelque chose de terrible est en train de se préparer. Tu m'avais promis. Je m'ai promis d'avoir tout ce dont je veux désirer. Et le seul homme que j'aime de tout mon cœur veut se marier à quelqu'un d'autre. S'il te plaît, aide-moi. J'ai besoin de ton aide, je t'en prie. Je ne peux pas voir cela se réaliser. Je ne saurais pas du tout le voir. Le combat de l'amour est différent de tout autre combat. Toutefois, regarde dans tes yeux. Tu as tout ce qu'il faut pour remporter cette bataille. Reste concentré. Tu découvriras des valeurs que tu as, que toute autre femme ordinaire n'a pas. Regarde bien, Wando. Tu trouveras la force pour ces combats. Concentre-toi, Wando. Waneka, j'étais en train de venir chez toi. Pourquoi? S'il te plaît, où est ton frère? Où est Dike? Je ne les vois pas, ça fait des jours maintenant. Que les dieux nous épargnent. Est-ce que tu sais que tu deviens folle? En fait, t'es folle. Est-ce que tu raisonnes? Waneka, s'il te plaît, je t'en prie. Où est-ce que je peux voir Dike? S'il te plaît, j'ai envie de lui parler. Sorcière, laisse mon frère libre. Laisse-le libre. M'as-tu appelé sorcière? Quitte sur mon chemin. Waneka!
personne. Personne ne peut se lever contre mon bonheur. Zike. Wando. S'il te plaît, je suis vraiment désolée pour la mort de ta sœur. Merci. Zike. Écoute. Tu dois mettre tes deux pieds sur terre. Ok? Toutefois, je... Je peux commencer à faire quelque chose pour toi, genre nourriture. Tu as besoin de l'aide. Laisse-moi faire quelques travaux pour toi. Ok? Wando, tu n'as pas à te stresser pour rien. Ok? Écoute, j'ai mangé. Je vais bien. Alors ne te dérange pas, ok? Ok. Y a-t-il quelque chose que tu voudrais que je fasse pour toi? N'importe quoi. Je veux le faire pour rien toi. Rien du tout, rien du tout. Je vais bien. Ne te dérange pas. Es-tu sûr? Ouais, je vais bien. Tu n'as pas à te déranger. Ok. Moi, je rentre déjà. Très bien. Mes salutations à ta mère. Ok. Bye. Prends soin de toi. Bye. T'avais interdit, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais ici? Pour te renvoyer chez tes ancêtres. Est-ce qu'elle a fait du mal? Premièrement, ils avaient pris mon mari. Maintenant, ils veulent prendre ma fille, Nick. Ah! La personne qui est derrière ces problèmes, je jure qu'elle ne connaîtra pas la paix. Oh, maman, s'il te plaît, apaise-toi, ok? Au moins, nous devons remercier les dieux puisqu'elle est en vie et qu'elle répond au traitement. Dieu. Hein? S'il te plaît. C'est grâce au Dieu qu'elle répond vite au traitement. Mais quoi? Mais quoi, Wanyeke? Elle prendra beaucoup de temps pour reprendre sa conscience. Hey! Wanyeke. Hey! Wanyeke, s'il te plaît. S'il te plaît, fais tout ce qui est dans ton pouvoir pour te rassurer qu'elle revienne à la normale. Écoute, quoi que cela coûte, juste dis-moi le prix. Moi, dis que je te fournirai tout ce dont tu as besoin. Juste dis-le-moi. S'il te plaît. D'accord. Je ferai de mon mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gloire au Dieu.
Je m'en vais maintenant. Dis que j'aurai besoin de parler avec toi chez moi. Très bien, je viendrai. Soyez bénis tous par les dieux. Issé. Et toi aussi. Issé. Maman, s'il te plaît, ça ira. Oh, non. S'il te plaît, arrête de pleurer, d'accord? Mon fils. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour cette famille. Si tu n'étais pas là, qu'est-ce que j'allais faire? Qu'est-ce que j'allais devenir? Merci. Merci. Écoute. Écoute, maman. S'il te plaît, arrête de me remercier comme ça. Ça, c'est ma seconde famille. Vous faites partie de ma famille. Hein? À part ça, Olilania est ma future femme. Et je ne fais que ce que je suis censé faire. Je sais que par les dieux, elle va guérir. Oh, non. Quel est Dieu? Continue de te protéger. C'est... Maintenant, je prends congé de toi. Mais j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Arrête de pleurer. Ça ne va pas t'aider du tout. Ok. Je elle va essayer. Se rétablir au moment opportun. Je vais essayer. Je le ferai, mon fils. Que le Dieu te protège. C'est... Prends soin d'elle pour moi. Je le ferai. Hein? Okay. Et prends soin de toi aussi, maman. Maman, au revoir. C'est entendu. Je vais essayer. Je vais essayer de le faire. Je vais essayer de ne pas pleurer. Ma fille, Oli, mais qu'est-ce que tu as? T'inquiète pas. Les dieux vont te guérir. Prends soin de toi. Ma fille, rien ne va t'arriver. Ta maman est là. Ma fille chérie, je suis là pour toi. Rien ne va t'arriver. Tu m'as entendu? Ça va aller, ma princesse. Ça va aller. Dike. Donc, tu veux me dire que Olilani a été attaquée? Si ce n'était pas pour l'intervention rapide de Wan et que la femme sage, on l'aurait perdue. Oh, que les dieux nous épargnent! Ah! Qui pourrait infliger autant de méchanceté à une fille si innocente comme elle? Oh. Je suis très confus. Elle ne parle pas. Elle n'ouvre pas les yeux. Il y a des jours maintenant. Elle est encore inconsciente. Je prie que rien n'arrive à cette fille. Oh, mon ami. Allez. Regarde-moi. Regarde-moi. Reprends-toi, mon vieux. Olilania que je connais est une fille forte et je sais que... qu'elle va se battre pour survivre. Et tout va revenir à la normale. Ok? Tu as dit tout va revenir à la normale? Merci. Merci, Amadi. C'est bon, mon ami. Viens avec moi. Ça va aller. Dike. Mes salutations, Dike. Ah, ah. Salut, Wando. Pourquoi es-tu venu chez moi si tôt comme ça? Peux-tu d'abord me donner une place pour m'asseoir? Désolé, je suis en route pour aller quelque part. Je pense que tout va bien. Pas du tout. Je crois que tu avais besoin de l'accompagner. Je veux dire quelqu'un qui peut t'aider avec quelques travaux préparés pour toi. Et j'avais décidé de préparer ceci pour toi. Prends ça. Ah, ok. Très bien. Wando, merci pour la nourriture. Mais tu vois, tu n'as pas besoin de faire tout ça, hein? Ce n'est pas nécessaire, hein? Je comprends. Je sais que ça peut être difficile pour toi de faire quelque chose à manger. Je veux dire, tu es un homme et tu es très occupé. Voilà pourquoi je t'ai préparé ça. Wando, merci pour ces gestes merveilleux, mais j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin.
Pourquoi ce stress? As-tu rejeté ma nourriture? Je suis désolé si c'est ce que tu... Tu es désolé? Tu viens de dire désolé? Tu sais combien de temps ça m'a pris pour te préparer tout ça? Tu refuses? Écoute. Je suis désolé. Merci pour la nourriture. Mais tu vois, je suis en route pour quelque part, tel que je t'ai dit. Je dois aller à un endroit très important pour moi, tu vois? Ma future femme, Olilania, est sérieusement malade. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Wando, j'ai dit que ma future femme, Olilania, est sérieusement malade et je pars pour la voir. En tout cas, si ça ne te dérange pas, tu peux t'en aller. Je t'en prie vraiment. S'il te plaît, j'aime ce que tu as fait, c'est bien. Mais je n'ai pas besoin de ça, ok? Écoute, essaie de me comprendre, ok? J'aime l'acte que tu as posé, mais sauf que je n'ai pas... Wando! Tu dois le faire. Il n'y a pas assez de temps. Mais la grande déesse, Mila refusait de manger ma nourriture lorsque je lui avais apporté. Tu dois faire en sorte qu'il le mange. Oui, tu dois le pousser à le faire. Lève-toi et pars. Il n'y a pas assez de temps. Lève-toi! Non, elle ne peut pas être en vie. Comment est-ce possible? Non, jamais. Je ne peux pas le permettre. C'est à cause d'elle qu'elle dit qu'elle refusait ma nourriture aujourd'hui. Après tous mes efforts, je ne peux pas la laisser détruire tout ce que moi j'ai eu à construire entre moi et Dike. Wando, tu dois vite réagir. Très vite avant que les choses ne s'empirent. Dike, Wanyike, son cas est très critique. Qu'est-ce que tu veux dire? Son corps ne répond pas au traitement que nous avons commencé à lui donner depuis tous ces temps, alors que ça ne devait pas être ainsi. Oh. Wanyike, je suis tellement confus. Elle a été attaquée par les forces maléfiques. As-tu dit les forces maléfiques? Oui. Comment? C'est pourquoi elle ne répond pas au traitement comme il se doit. Wanyike, tu es la plus grande guérisseuse de ce royaume. Il faut que tu fasses quelque chose. Une maladie que tu ne peux pas guérir est presque pareille à la mort, oui? S'il te plaît, fais quelque chose, s'il te plaît. Ne te dérange pas. C'est pourquoi j'étais allée chercher ces herbes particuliers. Je crois que ça marchera plus que tout autre. Hein? Mais ça te coûtera beaucoup. Ne t'inquiète pas. Dis-moi le prix. Écoute, je suis prêt à payer n'importe quel montant pour me rassurer que cette fille puisse se rétablir. Je t'en prie. 30 kori. As-tu dit 30 kori? C'est très bien.
dès que je quitte ici, je vais t'envoyer tes 30 coris. Tout ce que je veux est que tu me rassures qu'après tout ceci, elle pourra bien se rétablir et revenir à la normale. C'est tout, s'il te plaît. Grâce au Dieu, je ferai de mon mieux. S'il te plaît, Wanyeke, fais de ton mieux. Parce que ton mieux a toujours été bien pour nous. Voilà. Alors, il faut que je m'en aille maintenant. Pas de problème. Que le Dieu soit avec toi. Et toi aussi. Oh, Malicham! Quoi? Tu as une température élevée. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Dis-moi, non? Parle à ta mère, oh, Malicham. Dis-moi tout ce que je veux et je le ferai pour toi, ma fille. Hein? Maman, t'inquiète. Ce n'est pas grave. Je vais bien. Tu vas bien? Eh, ma fille, bien aimée, ne dis pas ça, oh. Hein? Oh, Malicham. Rien ne va t'arriver, hein? Les deux de l'autre terre ne permettront pas qu'un mal t'arrive, ma fille, hein? Les deux de l'autre terre, aidez-moi. Hey! Laisse-moi te prendre de l'eau à boire à l'intérieur. Maman, comment va-t-elle? Mon fils. Maman, tu continues à pleurer? Arrête de pleurer. Mais pourquoi? Y a-t-il un changement? Y a pas de changement. Mon fils, y a pas de changement. Qu'est-ce que ma petite fille a fait pour mériter tout ça? Qu'est-ce que je fais pour mériter ce genre de problème? Maman, arrête de pleurer. Hein? Arrête de pleurer. Tout ira bien. Hein? Par les dieux, tout ira bien. Mon fils, regarde mon enfant. La prunelle de mes yeux, elle est dans cet état depuis 6 jours. Tout ce qu'elle reçoit comme traitement, rien ne marche. Elle est incapable d'ouvrir les yeux. Ma fille n'arrive pas à ouvrir ses yeux. Elle n'arrive pas à ouvrir ses yeux. Maman, écoute. Je pense que ce n'est pas ce dont on a besoin. Hein? Hein? Prions juste au Dieu que Olilania se sente mieux. En fait, Wayeke a dit qu'elle ira mieux. Elle ira bien. S'il te plaît, juste... Je n'arrive pas. Mon fils, je n'arrive pas à l'aider, je n'arrive pas, j'en suis incapable. Je ne saurais pas arrêter de pleurer. Qu'est-ce qu'elle a fait? À qui est-ce que je fais du mal? Hey, le Dieu de notre terre, le Dieu de notre terre, venez à mon secours. Je vous en prie, venez vite m'aider. Je ne saurais pas. Maman, ça ira. S'il te plaît, regarde-moi. Ça ira. Ça ira, s'il te plaît, arrête de pleurer. Écoute, maman, elle ne mérite même pas ça. Ça va. Hein? Qu'est-ce que je fais, Emma? Peut-être que j'avais offensé quelqu'un sans le vouloir. Non, c'est bon. Calme-toi, hein, maman. Peux-tu entendre les pleurs de ta mère? Elle prie nuit et jour pour que tu te réveilles. Venez à mon secours. J'en
Mon cœur est blessé. S'il te plaît, réveille-toi. Lève-toi, s'il te plaît. Je t'en prie. Écoute, lève-toi. Je t'en prie. Le Dieu de notre terre. Où êtes-vous passé? Maman. Où êtes-vous passé, le Dieu de notre terre? Écoute, maman, arrête. Maman, je vous en prie, arrête. Maman, elle va se rétablir. Elle ira bien. Elle a dit qu'elle ira bien. Faisons confiance à son jugement. D'accord? Elle ira bien. Est-ce que mon bébé fait du mal à quelqu'un? Non, Waeka dit qu'elle ira bien. Elle ira bien. Moi, je fais confiance à son jugement. Okay. Ça va? Arrête. C'est bon. Oh, tu vois, tu pleures encore. Arrête de pleurer, maman. C'est pas bien. Salut, Dike. Salut à toi, Wando. Pourquoi es-tu... Dike, s'il te plaît. Je t'en prie. Ne refuse pas cette fois-ci. Je t'en prie. Wando, pourquoi tu fais ça? C'est parce que je m'inquiète beaucoup pour toi. Je me soucie beaucoup de toi. S'il te plaît, ne refuse pas ma nourriture cette fois-ci. Je t'en supplie. Écoute, je n'ai pas du tout fait. S'il te plaît, Dike, pardon. Je t'en prie. Ne le rejette pas. Très bien, alors. Merci. Laisse-moi te prendre de l'eau. Très bien. Va à cet endroit. Désolé, non, ça va. Désolé, attends. Prends de l'eau. Prends de l'eau. Bois un peu. Désolé. Désolé. Merci. Merci. Je ne savais pas que tu préparais aussi bien. Merci beaucoup. As-tu aimé? Aimé? Je l'adore et j'aimerais en manger comme ça tous les jours. T'inquiète. Je le ferai prochainement encore pour toi. Oh, vraiment? Es-tu sûre? C'est une promesse? Je te promets. Si t'es bien aimé, sois. Jamais. Bon appétit. Oh, doucement. La viande. Oh, ne te dérange pas. J'aimerais commencer avec l'autre là. Bon appétit. C'est terrible. Voilà, ça. Ah, ça. C'est délicieux. Oh, vraiment? Bon appétit. Doucement, doucement. Très bien. Oh, tu sais vraiment faire la cuisine. Merci. Est-ce que c'était ça, la nourriture? La même nourriture que tu m'avais apportée la fois passée? Bien sûr. Je l'avais rejetée? Oui. Je suis fou. Je suis vraiment fou. Bon appétit. Comment refuser une telle nourriture? Suis-je devenu fou ou quoi? Hein? Dis-moi un peu là. C'est très délicieux.
Godia. Wanyeke, y a-t-il un changement? Pas encore. Hey. Apaise-toi. Hey. Non. Ressaisis-toi. Ce n'est pas le temps pour toi de pleurer. C'est le temps de chercher une solution. Ok. Ok. J'ai besoin de beaucoup de poris pour préparer son traitement. Tu en veux plus? Oui. Ok. Genre, de combien sommes-nous en train de parler? Ogodia, 50 poris. Hein? Oyeke, 50 poris? Oui, 50 parce qu'elle a été attaquée par des forces maléfiques. Wanyeke. De forces maléfiques? Hey, Timo, qu'est-ce que je vais faire? Je n'en ai pas. Je n'ai pas ce que vous me demandez. J'ai dépensé tout ce que j'avais. Il n'y a plus rien dans cette maison. J'ai déjà dépensé tout ce que j'avais. Je n'ai plus rien. Tu dois agir vite. Pour que nous sauvons sa vie. Hé. Hey. Hé, hey, où? Wanyeke. Y a-t-il une autre piste de solution? Pense à quelque chose, s'il te plaît. Réfléchis, Wanyeke. Écoute, je suis une pauvre veuve. Je suis une veuve. Aie pitié d'une pauvre veuve. Je fais de mon mieux. J'en ai besoin pour trouver des herbes qui sont fortes, qui l'aidera à se rétablir vite. Hé. Hey. Wanyeke, je n'en ai pas. C'est ça le problème. Je n'en ai pas. Ogodia, ne perds pas le temps puisque c'est de sa vie qu'il s'agit. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'en ai pas. Ogodia. Je n'ai rien. Je n'en ai pas. Wanyeke. Je n'ai rien. Oli. Oli. Ma petite chérie. Je t'en prie, ouvre les yeux. Réveille-toi. Réveille-toi de ma moelle, je t'en prie, Oli. Réveille-toi. Dike. 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 Hey. Hey, il n'est pas à la maison. Il n'est pas là. Dike! Dike! Hey! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que j'irai le chercher? Ok. Dike, oh! Dike! 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 Dike, oh! Dike! Maman, qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi perdu? Rien de Vao, ça ne va pas. Bon, ok, calme-toi, hein. Comment va la santé de Liania? La situation s'est empirée. Wanyeke m'a demandé 50 curries pour le traitement. Et je n'en ai pas. J'ai pas d'argent. Depuis lors, je cherche Dike, mais il est introuvable. Attends, oh, tu viens de dire que tu n'as pas vu Dike? Ça fait des jours que je n'ai pas vu Dike. Je ne sais pas ce qui se passe. Ok, maman, ne t'en fais pas, hein? Viens avec moi dans ma hutte, hein? Je vais te donner un petit rien aujourd'hui.
Et demain, je viendrai ajouter. Tu vas m'en donner? Oui, oui, je serai là. Maintenant, arrête de pleurer. Le Dieu de notre terre, que le Dieu de notre terre t'épénisse. Allons-y, maman, c'est bon. Le Dieu de notre terre. Allons-y, allons-y, allons-y. C'est bon, ouais. Partons alors. Arrête de pleurer, maman. Hein? Je suis là. Bois un peu du vin. Non, 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 non. Je n'ai jamais goûté du vin. Non, mais essaye. Tu vas aimer. Es-tu sûr? Tu vas aimer. Prends. C'est comment? C'est bon, hein? Tu vois, je t'avais dit. Oh, doucement. Ça va, sinon tu seras ivre. Je ne savais pas que c'était tellement bon, le vin de palme. Je te l'avais dit. Tu vois, non, maintenant. Non, moi, je vais encore... Ah, Amadi, je ne savais pas que tu allais venir ici. Alors viens t'asseoir, il y a une place ici. Viens t'asseoir. Alors c'est ça, hein? Ah! Je ressens cet envoûtement maintenant. Je ne comprends rien du tout. Tu ne comprends rien? Eh bien, tu comprendras. Eh mais pourquoi tu parles ainsi? Amadi? 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 Où veux-tu aller? Amadi, reviens. Amadi. 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 Amadi, attends. Attends-moi. S'il te plaît, attends. Attendre pourquoi exactement? Attendre pourquoi? Amadi, calme-toi. Calme-toi, mais pourquoi tu te comportes ainsi? Oh, je devrais me calmer. Pendant que tu passes tout ton temps avec cette sale fille, alors Corilania, ta femme, est en train de se battre pour sa vie. Je devrais rester calme. Ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas ce que tu penses, ok? Oh, pour toi. Je suis un enfant, c'est ça? Bien dit que laisse-moi te demander. À quand remonte la dernière fois que tu as violé Lania? Ta femme en devenir? Amadi, Wando n'est rien d'autre qu'une amie. Elle m'a rendu une visite amicale. Mais pourquoi tu inventes des trucs comme ça, hein? Pourquoi tu fais tout ça? S'il te plaît. Dike. Dike. Combien de fois t'ai-je appelé? Et malébié ça là, allô. Dje galoa kageba. Amadi. Moi qui suis toi, Goku. Certaines personnes ne s'occupent pas de leurs affaires dans cette communauté. C'est à moi que tu parles? Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre ici? Bien sûr que c'est à toi que je parle. Je vois que tu es folle. C'est bien toi qui es devenu fou. Ne me traite pas d'une folle. Moi, Madi, écoute-moi attentivement. Reste loin de Dike. Si tu ne veux pas goûter à ma colère. Tu n'as même pas honte. Tu es sans vergogne et je ne suis pas surpris. Oui, une femme qui n'arrête pas de courir après un homme, sans même avoir la moindre petite honte. Tu es une disgrâce pour ta lignée tout entière. Quoi? Oui, et en plus de ça, tu es folle. Tu me traites encore d'une folle. Amadi, tu me traites encore d'une folle. Oui, une professionnelle, je dirais même. Regardez-moi ces singes castrés. Tu veux m'affronter? Amadi, veux-tu m'affronter, hein? Bien, je n'ai pas ton temps, au fait. Je préfère être un singe castré comme tu viens de m'appeler que de vivre toute ma vie en étant idiot, en fréquentant des filles sans valeur comme toi. Je ne le ferai pas. Amadi, tu vas regretter ta genou d'aujourd'hui. Telle est ma promesse. C'est bon. Wanyeke. Wanyeke. Hey. Wanyeke.
Chibo. Wanyeke. Où est partie cette femme? Wanyeke. Hé. Wanyeke. Ugodia. Hé. Je t'ai cherché. Merci. Je t'ai allé chercher des herbes. Ok. Prends place. Comment tu vas? Comme d'habitude, je suis venue pour ma fille. J'ai apporté 30 coris pour que tu prépares le remède. Ugodia. Oui, 50 coris. Qu'est-ce que je suis censée faire avec 30 coris? Wanyeke, je t'en prie. S'il te plaît, Wanyeke, c'est tout ce que j'ai trouvé pour l'instant. Je t'en prie, aide-moi. Pitié. Je vois que tu ne comprends pas comment cela marche. Wanyeke, s'il te plaît. Je t'en prie. C'est tout ce que j'ai trouvé. Pitié. Ok, il reste 20 coris. Je te les donnerai plus tard. Je te donnerai le reste. Quand est-ce que j'aurai les restes pour le traitement? La prochaine fois que tu vas passer chez moi à la maison. Ugodia, la prochaine fois est trop vague. Sois un peu fixé. Et le jour que tu viendras la traiter, je vais te le donner. C'est dans 3 jours. Oui, dans 3 jours. Tu as raison. Laisse-moi croire que tu tiendras à ta promesse. Je le ferai. Je le ferai. Que le Dieu te bénisse. Ici. Ok. Merci beaucoup. Je commence à partir. Je dois aller m'occuper de ma fille. Il n'y a personne à la maison. Ok. Que le Dieu soit avec toi aussi. Merci. Ok. À la prochaine. Omalicha, j'ai vraiment apprécié ta nourriture. Je l'avais fait spécialement pour toi. Oh ouais, je vois. Écoute, tu es la meilleure cuisinière que j'ai jamais vue dans ce monde entier. Arrête de me flatter. Arrête ça. Wando, je ne suis pas en train de te flatter. Je te dis la vérité. Tu es la meilleure que j'ai jamais vue. Honnêtement. Peu importe. Merci pour les compliments. C'est très important pour moi. Mon amour, pourquoi as-tu soudainement changé d'humeur? Mon amour, qu'est-ce qui te rend mécontente? Dike, quand est-ce que tu vas officialiser cette relation? Quand? Je ne comprends pas du tout. Quand est-ce que tu vas voir mes parents? Tu prends beaucoup de temps. C'est pour cela que tu es mécontente? Peut-on les voir aujourd'hui? Écoute, je suis sérieuse, je ne blague pas. Je suis aussi sérieuse, je ne blague pas. Peut-on voir ta famille aujourd'hui? Est-ce que c'est vrai? Es-tu sérieux? Je suis vraiment sérieux. Allons-y, allons voir ta famille aujourd'hui. Aujourd'hui même, je te dis. C'est moi qui l'ai dit, maintenant même. Je suis impatiente. Je suis impatiente de devenir ta femme. Et je suis impatiente de devenir ton mari bien-aimé. Mais tu sais quoi? Tu ne peux pas voir mes parents aujourd'hui. Hein? Tu vas les voir demain. Il s'est fait déjà tard aujourd'hui. Hein? Ok, très bien. Si tu le dis ainsi, dès que vous êtes prêts, dis-moi. Et je viendrai, ok? Oh ouais! Je suis impatiente! Hey, l'amour est beau! T'inquiète, je vais tout planifier pour toi, chérie. Bienvenue, mon fils. Merci, maman. Merci, merci. Tu veux dire que tu n'as besoin de rien? Maman, je vais bien. J'ai mangé avant de venir. Je vais bien. Ok, comme tu l'as dit. Maman, vous voyez,
je suis venu pour vous faire savoir mes intentions. Et voilà. Ok. Bien, votre fille, Wando, ici présente, et moi, on se fréquente il y a de cela un moment. Et je suis venu ici pour les rendre officiels. En fait, j'aimerais vous dire que je suis venu demander la main de votre fille en mariage. J'aimerais épouser votre fille. Ok. Je vais demander à ma fille. Pas de problème, je vais lui demander. Né, qu'est-ce que tu as à dire? Né, je suis d'accord. Mmh. Tu l'as entendu? Dans ce cas, je vais devoir rentrer avec ma famille pour une bonne présentation. Oui. Ok. Maman, voilà, je vous ai apporté ce petit vin. Comme je l'ai dit tantôt, je reviendrai avec les membres de ma famille pour une bonne présentation. Pas de problème, mon fils. Vous êtes les bienvenus ici à n'importe quel moment. Merci, mon fils. Merci d'avoir mis le sourire sur le visage de ma fille. Oh, elle est mon bonheur. Je vous fais la promesse que je prendrai très bien soin d'elle, maman. Elle est ma lune. Merci. Hein? Oui, maman. Que les dieux te bénissent. Ah, qu'ils vous bénissent aussi. Ah, il faut que je parte maintenant, maman. Ah, en fait, il faut que je m'occupe de quelque chose, voilà. Ok. Tel que je l'ai dit, nous reviendrons. Ok. Je l'accompagne. Maman, merci. Merci beaucoup. Ok, que les dieux te bénissent, hein? Au revoir. Maman, j'arrive. Au revoir. Né Wono, il y a quelqu'un ici, maman? Oh, yeah. Oh, maman, c'est moi. Hey, c'est toi? Oh. Mon fils. Mm-hmm. Comment tu vas? Je vais bien. Sois le bienvenu. Merci. Mets-toi, s'il te plaît. Bien, maman, comment va Olinanya maintenant? Olilaya. Elle est là. Toujours comme ça. Il n'y a pas de changement. Ça va aller, elle ira mieux. Est-ce que Dick est revenu la visiter? Dick est... Depuis les jours que j'étais chez toi, jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas encore vu. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qui ne va pas avec lui. Je suis allé à sa hutte et... j'ai vu la chose la plus détestable que je n'ai jamais vue de ma vie. Détestable? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'as-tu vu? Maman, ne t'en fais pas. Je vais résoudre ça moi-même. Si tu l'as dit, c'est juste que... Je suis très déçu de lui. Depuis ces jours-là, je ne l'ai pas encore vu. Il devait être là pour nous dans ces moments difficiles. Ça va aller, maman. Arrêtons un peu de nous en faire pour Dickey. Essayons de plus nous focaliser sur Olilanya, ok? Tu as raison, mon fils. Tu as raison. J'ai apporté ceci, ce qui était resté. Hein? Donnez-en 20 à Wanyeke. Et gardez-en 10 pour vous-même. Hey, Amadi. Merci beaucoup. C'est bon, il n'y a pas merci de quoi. Merci beaucoup, Amadi, pour avoir aidé une veuve comme moi. Qu'est-ce que j'allais faire sans toi? À qui est-ce que j'allais me tourner? Maman, c'est bon, du calme. Je ne fais que faire ce que je suis supposé faire. Hein? Je t'en prie, arrête, arrête. Que le Dieu de notre terre te bénisse et que tu ne manques jamais de rien dans ta vie. Il sait... maman, puis-je voir Olilanya oui, maintenant? Bien sûr. Elle est dans la maison. On y va. Ok.
Dike! 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 Amadi, pourquoi tu cries mon nom comme ça, comme si c'est toi qui me l'avais donné? C'est quoi ça? Es-tu malade? Hein? Dike, tu es méchant à ce point. Dis-moi. Qu'est-ce que je vais dire? C'est quoi? Ok. Qu'est-ce que je viens d'entendre dans mes oreilles? Qu'es-tu en train de te préparer pour épouser Wando? As-tu un problème avec ça? Et dis-moi si tu as un problème avec ça. Vas-y, dis-moi. Dike, ne me dis pas que tu as perdu tous tes sens. Tu veux me dire que tu as quitté Olilania sans même te soucier de sa maladie actuelle. Et te voilà en train de planer de marier Wando. Que t'a-t-elle fait? Amadi, je te repose la question. As-tu un problème avec ça? Au lieu de faire des bruits. Dounefi Fedje. C'est totalement incroyable. Tie Welu Nefi Fedje. Dike. Qu'est-ce que cette innocente fille t'a fait à toi? Tu es venu chez moi pour me poser des questions, hein? Hein? Qu'est-ce qui te prend? Pour qui tu te prends? Sais-tu que tu es méchant? Tu es sans cœur. Comment oses-tu? Comment oses-tu, Amadi? Hein? Alors écoute-moi. Je veux que tu sors de chez moi. Maintenant, va-t'en. Écoute-moi. Si tu perds encore de temps, j'oublierai que nous sommes amis. Et je vais me charger de toi de manière terrible. Kelo. Mbam bam 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 bam. Es-tu directement en train de me demander de quitter ta parcelle pour ta première fois parce que je veux ce qu'il y a de mieux pour toi? Amadi. Amadi, ne blague pas avec ma patience. Sors maintenant. Oh, il n'y a pas de problème. Mais les dieux m'épargneront parce que je n'ai fait que dire ce que je suis supposé dire en tant qu'ami. Souviens-toi de mes paroles. Tu regretteras ce jour. Va-t'en maintenant. Va-t'en! Pourquoi ce changement soudain venant de Dike? Ce n'est pas le Dike avec lequel j'ai grandi. Le Dike que je connais fait toujours ce qui est juste, mais celui-ci... Que se passe-t-il? Non. Quelque chose ne tourne pas rond quelque part. Quelque chose ne va plus bien du tout. Et je suis dans l'obligation de le découvrir. Je peux voir les forces maléfiques vagabonder partout. Ezemo, tu dois vraiment m'aider. Je t'en prie, j'ai besoin de ton aide. Sinon, absolument tout sera obscur. Que les dieux nous épargnent. L'aide que tu cherches, tu en auras. Il sait... Mais, nous devons apaiser les dieux d'abord. Je suis prêt. Je suis prêt à faire tout ce que tu me demanderas. Et d'ailleurs, voici le paiement de 20 kori. Commençons par là, je vous prie. Alors la fille, je peux voir le danger partout. Partout ici. Où est-elle en ce moment? L'œil des dieux. Elle se trouve actuellement chez sa mère. Un enfant qui ne veut pas que sa mère dorme ne dormira pas non plus. Bam. Il est aussi dit qu'une mouche têtue sur les cadavres
jusqu'à la tombe. Dis-leur que je dois les voir à midi. Merci, Ezemo. Va. Merci. Merci infiniment. Va! Je t'en prie, ne laisse pas ma vie mourir. C'est quelque chose qu'elle ne meurt pas. Elle est tout ce que j'ai. Je n'ai personne d'autre. Je t'en prie. Elle la laisse mourir. Je t'en prie, fais quelque chose. Je vais mourir si jamais quelque chose lui arrive. Calme-toi, elle ira mieux. Ok, ok. Je me calme, oui. Elle ne bouge toujours pas, ma pauvre fille. Je vous en prie. Pitié. Pitié. Je vous en prie, pitié. Le Dieu de notre aideur, pitié. Oulilaya. Il est là, ma fille, ouvre les yeux. Ne fais pas ça, ta maman. Ne fais pas ça, je t'en prie. Pas ça, ma fille. Pitié. Oh, il est là.
Chai. Non. Les dieux de notre terre, pourquoi vous avez permis cela? Pourquoi? Oyeke, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Peux-tu expliquer ton seul langage que je vais comprendre facilement? Peux-tu me l'expliquer clairement? Godia, elle n'est plus. J'ai fait de mon mieux. Non. J'ai vraiment fait de mon mieux. Non! 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 Pourquoi? Pourquoi ils m'ont ravi mon seul enfant? Ma joie de vivre? Non! Pourquoi? J'ai fait ce que je pouvais. J'ai fait de mon mieux. Mais elle n'a pas survécu. Non! Les dieux n'ont pas parlé. Et c'est bon. Et c'est bon. Elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Je suis de notre Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Assez, femme! Lève-toi. Va te mettre. Ok. Ok. Oh yeah. Hey. À fond. Et c'est beau. Et c'est beau. Je t'en prie. C'est beau. Et c'est beau. Pitié, fais quelque chose. Ne laisse pas ma fille mourir. Je ne veux pas qu'elle parte. Je vous en prie. Où est derrière vous? Où est derrière? Tu veux aussi le goûter? Oh, bien sûr. T'inquiète, je ferai tout pour te satisfaire. Oh, Oh, oui. Vas-y, prends ça. Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu fais ici? Dis-le, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu vas bien? Quoi? Où est Olilania? Où est qui? Olilania, ma femme, bien sûr. Olilaya, maman. Olilaya, c'est toi, ma fille. Elle est en vie. Dis-le, qu'est-ce qu'il y a avec toi? Où est qui? De quoi parlais-tu? Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fous ici? Hein? Dis-le, qu'est-ce qui ne va pas avec Mais toi? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Écoute. Je pars à la recherche de ma femme, Olilania. Et à mon retour, si je te vois ici, chez moi, tu seras morte. Allez, sors d'ici. Sors d'ici. Qu'est-ce qu'elle ne va pas avec surtout, toi? Ne me touche pas. Olilania. Non. Non, ça, ce n'est pas possible.
Non, 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 c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, hein? Je vous remercie, le Dieu de notre terre. Merci beaucoup. Merci. Merci pour m'avoir rendu ma vie. Merci beaucoup. Merci infiniment. Nkoye Metel. Aurélie Boulou. Les mal que les gens font vivent avec eux. Maman, tu veux dire qu'Eddie qui m'a abandonné pendant tous ces temps? C'est ce qui s'est passé, ma fille. C'est exactement ce qui s'est passé. Je remercie Dieu, c'est grâce à Abadi que tu es en vie aujourd'hui. Le Dieu de notre terre, que la gloire vous soit rendue pour avoir sauvé la vie de ma fille. Et aussi merci à Wanike. Elle nous a beaucoup aidés. Exactement. J'ai béni les dieux pour avoir envoyé Ezemon à temps. Les dieux sont en effet sages. Comment encore vous n'avez pas été là? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Mon amour, qu'est-ce que tu veux? Dégage d'ici tout de suite. Pars! Tu as les kilos de venir présenter encore ta laideur devant moi. Dégage d'ici! Va-t'en, sinon je vais te renverser de l'eau chaude. Mais, s'il te plaît, écoute-moi. Écoute, je ne savais plus ce qui me prenait. J'ai soudainement vu Wando chez moi. Alors, ça m'a surpris. Alors, je ne sais plus. Il était possédé par elle. Quoi? Quoi? Oui! Il était possédé par elle avec une force maléfique. Hein? Elle était également responsable de la mort de ta sœur. Quoi? Elle était responsable de quoi? De la mort de ma sœur? Oui! Non! Écoute! Laisse les dieux combattre ce combat. N'ose pas te faire justice. Que les dieux vous protègent tous. C'est Wanda qui avait tué Waneka vraiment. C'est bon. Chérie, maintenant nous connaissons la vérité. Je suis désolé. Désolé, je ne savais pas. Je ne te quitterai plus jamais, ok? Non. Diki, je comprends que ce n'était pas de ta faute. Je te pardonne. Grâce tu m'as pardonné? Nous serons encore de retour ensemble. Oh, merci vraiment. Oh, je suis désolé, ma chérie. Jamais je ne te quitterai, ok? Ok, alors ne pleure plus. Ok, juste sois forte. Que le Dieu soit loué. Que le nom de Dieu soit loué. Qu'est-ce qu'il y a? Ta température est très élevée. Dis-moi, ma fille, qu'est-ce que tu as? Hein?
Dike. Dike. Hein? Je vais voir Dike. Dis-moi, qu'est-ce que ce Dike en train de faire à ma fille? Hein? Oh. Je veux voir Dike. C'est vrai ça? Ok, attends, je pars chercher Dike. Je pars. Attends, moi j'arrive. Dike! Dike! Obi, n'est-ce pas que tu as déjà fait assez? J'en ai marre. Et puis de quoi nous? Tu es quand notre chaga a kaké fui à la commerce. Tu ne vas pas aller à la chasse aujourd'hui? Je n'irai pas chasser aujourd'hui. En fait, j'ai congé. Hein? Je dois m'occuper de l'amour. L'amour est merveilleux, tu sais. Dike, oh, Dike, Dike, Dike. Dike, Dike, s'il te plaît, je t'en prie. Femme démoniaque, qu'est-ce que tu es venue faire chez moi? Ma fille veut mourir. Elle a dit que si elle ne te voit pas, elle va mourir, s'il te plaît. Ta fille? Quel courage! Quelle audace! Comment oses-tu? Hein? Tu as les kilos de venir chez moi et de me parler de ta fille diabolique? Ta fille qui a tué ma sœur. Ta fille qui m'a fait toutes les horribles choses du monde. Et tu es là à me parler d'elle. Non, mais t'es sérieux? Regarde-toi, hein? Hein? Ta sœur? Je ne comprends pas. S'il te plaît, Dike. Tu ne comprends pas, hein? Ok. Ok, tu vas comprendre. Ne t'en fais pas. Attends. S'il te plaît, Olinaya, je t'en prie. S'il te plaît, aide-moi, ma fille. Qu'est-ce qu'il y a encore, hein? Tu me comprends? Attends. Laisse-la rester ici. Reste ici, femme diabolique. Regarde-toi, hein? Après tout ce que... Non, laisse-moi, hein? Femme démoniaque. C'est bon, chérie, s'il te plaît. Donne-moi cet arme. Peux-tu imaginer un tel courage? Quelle audace! Après tout ce que sa fille nous a fait, elle a les kilos de venir nous parler d'elle. Oh bien, laisse tomber. Les dieux nous ont déjà donné la victoire. Laissez tomber quoi? Les ténèbres. Il y a des choses qu'on laisse jamais tomber, ok? Ah, attends, laisse-moi aller casser mon arme. Qu'elle vienne encore. Oh bien, s'il te plaît. Hein. Malécham! Oh Malécham! Ewo! Ewo! Oh Malécham! Ewo! Oh Malécham, pourquoi? Pourquoi peux-tu me faire ça, ma fille? Pourquoi, ma fille? Une fois que tu mets au monde, tout ce que tu vas te demander, tu dois lui donner. Si tu ne le fais pas, c'est que tu vas t'arriver. C'est ce à quoi tu n'attendras jamais. S'il vous plaît, j'accepte. Il n'y a pas de problème. Pourquoi tu m'as fait ça, Malécha, ma fille? Pourquoi tu m'as fait ça, ma fille? Pourquoi? Qu'est-ce que je vais faire, ma fille? Pourquoi? Ah! 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 Ah!